Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour ma soeur. Mais t'es tu es toi là tranquille, il fait froid. Alors, rêve, comment dire? Comment dire que ce n'est pas. Moi, je ne suis pas là à te clasher. Hein. Mais s'il le faut, je n'ai pas peur. Je voulais juste recadrer les choses en fait. Je voulais juste recadrer les choses. Parce qu'il y a un moment, il y en a marre. Ça va un peu dans tous les sens. J'ai dit bien, ça va un peu dans tous les sens. Et j'ai horreur de ça. Donc, j'étais en train de dire que ça va un peu dans tous les sens. Il y a un moment, il faut un peu arrêter avec l'hypocrisie un peu. D'où je dis toujours, d'où tu me vois souvent, quand les gens me disent que oui, tu as tellement insulté Flo, je manque. Vous voulez retourner ça contre qui en fait, au juste en fait, je veux comprendre. Oh, ne prononce plus le nom de Flo, ne peut plus ceci. Rêve, tu es qui? Tu es qui pour que je ne prononce plus le nom de Flo? Tu es qui? Toi, rêve, tu peux m'interdire de plus prononcer le nom de Flo? Tu es qui? Mais vous avez le droit de prononcer le nom de Flore. Si peut-être que ce n'est pas, comment dire, oui, ce n'est pas dans le clash. Vous profitez de son nom. Et quand d'autres veulent profiter, ça ne vous arrange pas, en fait. Flore a dit que son nom donne, ça paye. Ça fait qu'on ait les abonnés, ça fait qu'on, ça paye nos factures. Le nom de Flore, oui. Vous êtes qui pour m'interdire de parler de Flore? Vous êtes qui, en fait? Parce que j'ai l'impression que tout le monde a oublié le passé. Vous avez tout oublié le passé. Quand tu veux me reprocher, tu me dis carrément que laisse le nom de Flore. Ngane qui est en train de salir le nom de Flore dans la saleté. Elle est en train de clasher les gens. Elle mêle Flore dedans. Non, pour vous, vous n'avez aucune conscience. Pour vous, tout est normal en fait. Pour vous, tout est normal. Ngane est en train d'insulter les gens et vous croyez que dans ça, elle doit mélanger le nom de Flore. Là, personne n'est unanime. Vous tous, vous êtes unanime. C'est normal. Parce qu'elle défend Flore. Qui ne défend pas Flore? Qui ne défend pas Flore ici? Moi-même qui suis la première personne là, je ne défends pas Flore ici. Mais vous prenez pour qui en fait? Vous prenez pour qui pour tout le temps me juger? Vous prenez pour qui pour me juger tout le temps? Il y a un moment, il y en a marre. Il y a un moment, il y en a marre. Vous voulez tout mettre sur Dolo Moulema. C'est comment mon nom ne peut pas respirer un peu sur Facebook. Mon nom ne peut pas respirer même pour une fois, bon sang. Pour une fois, mon nom, je ne sais pas que ça respire un peu. Comment tu as ma chigan pour ma soeur en moi. Ma soeur d'amour. Tu m'as demandé de laisser la veuve. Ouais, la femme, s'il est. Tu me demandes de laisser la veuve. Erika et Marie-Noël. J'étais moi dans le direct de rêve et tout. Je voulais entrer dans son direct pour essayer de, comme les gens disaient que oui, tu es Bamileke, tu as insulté Flore de porc, tu as insulté Flore de porc. Quand ils prononcent Flore, ça ne gêne personne. Mais quand moi je vais répondre, Dolo Moulema ne prononce pas le nom de Flore. D'où j'ai dit à, comment dire, à Saint-Chan hier, sur le direct de Pasto. J'ai dit à Saint-Chan hier que, dis à tes gens de ne plus prononcer mon nom. Voilà maintenant dans le direct maintenant de rêve. Moi j'ai que le direct de rêve, elle a que de parler de tout, de choses et tout et tout. Maintenant j'ai que me dit que oui, Dolo, je voulais te dire que quand tu fais tes choses là, ne prononce plus le nom de Flore. Tu es qui, rêve, pour me dire de pas prononcer le nom de Flore? Je veux comprendre, tu es qui pour me dire de pas prononcer le nom de Flore? Tu dis que je n'habille pas Flore, que je n'aime pas Flore. Je peux aussi te prouver aussi que tu n'aimes pas Flore. Faut bien qu'on soit clair là-dessus. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas. Où c'est toujours c'est que le passé de Dolo Moulema que vous ne m'aimez pas. Tu m'as jamais apprécié. Et pour moi, tu m'as jamais défendu. Rêve, tu ne m'as jamais défendu, rêve. Il faut qu'on soit clair là-dessus. C'est, dis que c'est, comment dire, bonjour, bonjour Rosa. Bonjour Nadia. C'est, comment dire, c'est, Tatana, s'il faut dire une personne qui aime la paix, s'il faut dire une personne qui met vraiment les gens bien, qui arrange les problèmes, c'est Tatana. C'est Tatana.
rêve. Tu sais pas quand tu sens que vous les bamlekez, quand ils disent souvent vous les bamlekez, parce que moi-même je suis. Et j'aime, et justement, j'insulte les autres bamlekez. Et je ne suis pas la seule apparemment. Puisque même les écans s'insultent entre eux. Les bamlekez s'insultent aussi entre eux. Tu es, qu'est-ce que tu veux me faire? Qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Tu es qui? Tu es devenu la protectrice, la protectrice de Flore? Tu es devenu la protectrice de Flore? C'est le monde à l'envers? Vous avez oublié vos passés? Est-ce que vous avez oublié vos passés? Vous voulez rappeler le passé de qui? Vous voulez rappeler le passé de qui? Tu as insulté Flore, tu as insulté Flore. Vous êtes dans le rêve, le direct des rêves. Vous êtes dans le direct des rêves qui a insulté Flore. Et vous partez parler chez Rêve que moi j'ai insulté Flore. Mais putain, mais vous réfléchissez comment? Mais vous réfléchissez, vos cerveaux là sont à l'envers. Rêve qui a insulté Flore. Et c'est dans le direct des rêves que vous partez rappeler que Dolo Moulin m'a insulté Flore dans le noir. Mais vous êtes normaux ou normal? Mais de parfois je m'assois comme ça et me regarde franchement. Franchement, je vous respecte quoi? Rosa. Ouais, Rosa. Mais je wonder, Sidonie. Mais je wonder. Mais rêve, qu'est-ce qui t'arrive en fait, ma chérie? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu te souffres avec quelqu'un, ma? Ma mère, tu te dis que quelqu'un avec Flo? Jusqu'à tu t'assois, tu te permets de me reprocher, moi? Tu te permets, toi, tu peux... Moi, je vous comprends pas, en fait. Rêve a insulté Flo. Ndale a insulté Flo. La lionne a insulté Flo. Vous êtes trois à avoir insulté Flo. Vous avez oublié... Quelqu'un vous rappelle le passé tous les jours? Est-ce que quelqu'un vous rappelle ce passé tous les jours? Mais c'est ma part que vous êtes posé pour me faire le rappel tous les jours comme quoi j'ai insulté Flo. Mais vous êtes malade. Est-ce que vous êtes malade? Ndale a insulté Flore. Rêve a insulté Flore. La lionne a insulté Flore. C'est mon passé que vous voulez ressortir? Vos mémoires sont perdues? Est-ce que vos mémoires, est-ce que vous arrivez à réfléchir bon sang? Est-ce que vous réfléchissez même dans votre cerveau? C'est mon passé que vous voulez dire? Non, donne-moi. Vous partez le direct des rêves. Vous partez le direct des rêves. Hein? Mais je ne comprends pas, vous comprenez pas en fait. Rêve qui a insulté Flo ici là. Vous avez oublié toutes. Ou bien vos mémoires sont effacées. Vos mémoires sont effacées. Est-ce que vos mémoires sont effacées? C'est chez Rêve que vous partez faire le rappel comme quoi j'ai insulté Flo. Chez ce rêve, Rêve qui a insulté Flo. Ha! Maman, je vous donne les mains sur Facebook. Je vous respecte. Je vous respecte. Je vous donne les mains. Waouh! Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Ha! Non! Maman, je crois que j'ai raté quelque chose, hein? Bêtement, je vais te bloquer, hein? Je ne suis pas qu'elle parlait de Flo, je ne suis pas qu'elle insultait Flo ici là. Il y a un moment, il faut arrêter avec vos manipulations là, bête. D'accord? Je me justifie. Tu ne me vois pas m'asseoir. Tu as vu intitulé là que, comment dire, Flo? Aujourd'hui, je ne vais pas vous permettre. D'accord? Vous voyez la sorcellerie partout. Bande de vampires. C'est les enfants de cru que vous voulez prendre. Tu me vois insulter Flo ici? Mais pas qu'elle te lave là tout de suite, hein? C'est vous qui, Saint-Chan m'a reproché là-bas, c'est parce que, que je laisse le nom de Flore. C'est toujours vous qui ramène le nom de Flore ici là. C'est toujours vous. C'est toujours vous. Ah, William. Merci, Nano. Mais je vois là sur vous, hein. Non, mais moi je veux comprendre en fait. Vous discutez les abeilles avec qui? Vous discutez les abeilles avec qui? Non, Elvige, non, pour eux là, c'est normal. Pour eux là, c'est normal.
C'est eux qui ramènent le nom de Flore. C'est moi le problème. Elvige, non, c'est moi le problème, pardon. Il ne faut pas les accuser. C'est moi le problème. Indale insulte dans la saleté. Elle met le nom de Flore. Pour eux, c'est normal. Elvige, pour elle, c'est normal. Tout ça pour me pousser comment elle me pousse pour qu'elle vienne insulter Flore. Elle m'a fait quoi, Flore? Elle ne m'a rien fait. Je crois que je me suis exprimé clairement dans ça. Hein? Non, je ne parle pas de ça, Rosa. Je ne parle pas de l'histoire de soutien, là. Elle vient maintenant, elle vient se poser sur moi. Tu dis carrément que Nolo Moulema, comment dis-tu, n'aime pas Flore? Mais, non, mais, non, Cédric, non, non. Cédric, je ne peux pas faire vignorer ma soeur. Je ne peux pas. Ma, je ne peux pas faire vignorer. Je n'aime pas comme Bafou, comment dit ma dignité. J'ai horreur de ça. Flore, comment dit, Flore n'a rien fait. Elle ne m'a rien fait du tout. Et je me suis expliqué clairement là-dessus. Je me suis expliqué clairement là-dessus. Excusez-moi. Je me suis expliqué clairement là-dessus, les amis. Hein? Merde! William, je wanna sur vous, hein? Je wanna sur vous. Hein? Non, les mentions, tu rêves, tu es qui? Me demande même pas mentionner Flore. Tu es qui? Mais défends ta soeur. Défends ta soeur, ma. On parle, je parle de qui je veux. Je suis électron libre. Quand je défends Flore, ça vous arrange. Là, je ne laisse pas le nom de Flore tranquille. C'est vous qui mettez Flore dans la boue. Quand on vient répondre, c'est nous le problème. Vous voyez que vos cerveaux ne fonctionnent pas très bien, hein? Mais vous opérez pour qui? Merde! William! Karel! On est dans le direct des rêves! Comment dire? Certaines abeilles partent m'insulter là-bas! Oh, tu as insulté Flore! Tu l'avais traité de porc! Tu l'avais traité de porc! Tu l'avais traité de ceci! Oh! Réveillez-vous! Rêve à insulter Flore! Vous partez vous plaindre chez qui en fait? Quand elle vous dit qu'il y a les vraies abeilles! Quand elle vous dit que les abeilles ont perdu le sens! Les abeilles ne savent même plus qui dirige, où se diriger. C'est d'où je vous dis vous êtes perdu. Franchement, ça me fait très mal, quoi. Vous partez m'insulter, moi, chez une personne qui a insulté Flore. Non, mais, où la différence avec moi, en fait? Où la différence avec moi? Rêve et moi, on est différents, où, en fait? Hey! Hey! Vraiment, vous, les abeilles, je sais pas comment, je sais pas. Eh, Nano. Faut laisser Nano. Je t'ai dit, Sidonie, je suis moi dépassé. Vous dites que vous les abeilles, vous partez chez Rêve, vous partez me faire le rappel de 1900, ouais, tu avais insulté Flore. Tout le monde au courant que j'avais insulté Flore, j'étais dans une team. J'étais dans une team. Tout le monde au courant que j'avais insulté Flore. Mais vous partez vous faire passer pour des saints. Chez Rêve, qui a insulté la même personne que moi, que vous me reprochez moi, mais, ouais. Et on dit que l'école est comment? Et là, alors, venez me dire, vous qui êtes intelligente là, moi qui ai maman la bêtesse, vous qui êtes intelligente, je vous en supplie, venez me dire comment on explique la carte ici. Au nom de Jésus, je suis moi dépassé. Je suis moi dépassé. Vous partez me clasher chez Rêve. Oh, Dieu le moulin, ma tu as insulté Flore. Tu as insulté Flore de porc. Tu as insulté Flore de ceci. Tu as insulté Flore. Vous partez me reprocher. Dans le direct des rêves, qui a insulté la même Flore? Parce qu'on sait, les gens, parce qu'il y a eu la paix. Parce qu'il y a eu la paix. Eh, venez m'apprendre l'école. Peut-être que mon bac que j'ai ici là, peut-être que c'est pas le vrai bac. Peut-être que le BP que j'ai ici, peut-être que ce n'est pas le vrai BP. Venez aussi m'expliquer la carte ici. Vous les abeilles, ma, venez m'expliquer aussi pour vous aussi. Parce que je suis perdu. Je suis perdu. Ouais. Lolo Foja, je suis moi dépassé. Rêve, c'est moi que tu as qu'à te reprocher que ne parle plus de Flore. Jusqu'à tu me menaces. Tu me menaces. Tu dis qu'un Dolo Moulema, occupe-toi de Ngossa. Je suis la seule personne qu'on Ngossa insulte sur Facebook. Est-ce que je suis la seule personne qu'on Ngossa insulte sur Facebook? Rêve, ne parle plus de Ngossa, on va voir si les gens vont encore venir.
Rêve, s'il te plaît. Comment tu vas, Agnès? Agnès Chou. Non, Lolo Foja. Non, je me perds. C'est Tata Lolo. Comme il y a tellement les Lolo, je ne sais même plus. Je ne suis pas en train de la clasher. Je ne suis pas en train de la clasher. Je veux recadrer les choses. Parce qu'elle me dit que pourquoi depuis que tu as quitté, elle a encore dit quoi? Depuis que tu as quitté Ngossa, c'est maintenant que tu dis que tu es Bamleke. Rêve. J'assume qui je suis. Hein. Je suis partie en Bangaté plusieurs fois. J'ai montré les photos. Je crois que j'ai assez pancadé. Et j'ai toujours dit ici là que je n'ai jamais menti que j'ai été élevée par ma grand-mère. Et j'ai été élevée par ma mère. Dont le côté Betsy, d'où le côté Betsy rime. Mais les œuvres que je fais, je dis que je ne dénigre pas. Oui, vous ne m'avez pas en tata. Comme je vois Attends. Moi, je ne suis pas en train de la clasher. Mais à un moment, il faut recadrer les choses. En cours, tata Lolo, ça en cours. Non, Yakuba, je ne peux pas. Ma, je ne peux pas. Je suis fatiguée qu'on me mette ma dignité en jeu tout le temps. Je ne peux pas. Hey, allô, Lolo, vous n'avez pas pardon, moi, je ne suis pas venu pour crier. Pardon, bonsoir. Pardon, bonsoir. Non, pardon. Pourquoi elle me casse alors? Je vais te dire quelque chose. J'ai même dit avant-hier que je n'ai pas ton numéro de téléphone, je t'aurais dit ça. Tu ne connais pas la guerre. Tu ne connais pas le clash de méta. Je te le dis aujourd'hui devant tout le monde. Tu ne connais pas le clash de méta. Tout le monde le sait. Laisse-moi te dire, j'ai lu le post que tu as fait sur elle et sur Flore. C'était insultant. Pourquoi faire comme si tu es allé à l'école, tu as fréquenté, non, c'est vrai que tu connais ce que tu as en train de dire. Quand tu as dit que la première Waka est faite pour c'est qui, tu les appelles tes insultes, tu t'en prends à elle. Arrêtez un peu. On va parler comme des grands tiers. Tu as fait 8 ans à l'Ouloua, tu nous faisais du cadeau. Donc tu crois que quand tu vas sortir, tu vas faire des guerres avec les filles, moi je vais venir prendre ta défense. Non, je vais te regarder faire ta guerre. Comme tu fais ta guerre avec les filles là, Flo, regarde, tu fais ta guerre. Mais si les abeilles t'insultent, tu prends sur toi, après tu as fait la paix avec elles. Tu n'as pas venu faire un poste, tu l'indexes. Tu l'as indexé bien même. Bon, même si c'était comme Flo d'avant là, Ndolo, je te vois cracher. Tu es fragile. Si toute la toile se met contre toi, je ne te demande pas, tu ne peux pas tenir. On ne te donne pas les mauvais conseils. C'est un truc qui est très dans. Tu me vois encore cracher. Tu ne peux pas. J'ai bien demandé s'il y avait ton numéro de téléphone. Je suis même allé sur ta page. J'ai appelé le numéro qui était sur ta page. Ça n'a pas répondu. Moi, je ne cache pas. Pour te donner des conseils, parce que tu es une petite soeur. Quand celui qui classe dans le noir et quand tu as profit qu'on te voit, ce n'est plus pareil. Tu te perds parce que tu as des gens qui te conseillent mal. Tu te dis la vérité. Si ça te prend, il faut pas suivre. Tu ne peux pas t'aimer toute une toile toi seul. Tu ne peux pas. Nous, on a fait ça, on a fait des abeilles sur Facebook. Va regarder nos anciennes vidéos avant. Tu vas voir, tu es comme des folles. Et ça va te revenir plus tard. Quand tu auras fini de sortir dans tout cela, on va te ramener ça devant toi. J'aime lui ton poste. Ne fais pas les points avec les abeilles. Tu as des certains abeilles qui m'insultent. La première Waka, c'est qui sur Facebook? Tu as dit, tu t'adresses à qui? À elle. Si elle est passée sa soirée, elle vient sortir te répondre. Est-ce que tu peux supporter tout ce fardeau-là? Mais sont les gens qui t'ont soutenu quand tu es tombé ici, là, sur la toile, le dolo. Le maïs t'ont soutenu. Moi-même, je t'ai soutenu. Ou tu es passé même m'insulter? Parce que tu n'as pas compris le sens de mon soutien. Qui t'avait soutenu sur la toile comme moi? Qui est venu de quitter ton amitié avec ton ex-copine là? Ce n'est pas moi. Mais tu n'as pas regardé où j'étais soutenu. Mais tu n'as pas regardé parce que j'ai dit qu'une partie que arrête de faire la propagande de la prostitution. Tu as dit que j'ai fait quoi la prostitution de l'Omouléma? J'ai fait la prostitution avec toi. Et si j'ai fait ça avec toi, tu m'as vu un jour. Il faut arrêter. Toi, on a entendu ta part. Mais ne fais pas mélanger tout le monde dedans. Il faut arrêter. Pourquoi vous donnez des conseils comme les petits, vous agitez? Non. Il faut arrêter. Dans la vie, on vous donne des conseils. Il faut apprendre à écouter des conseils. Parce que tu as des personnes qui te conseillent mal. Parce que tu devais gagner cette guerre. Mais tu t'es mis tout le monde à dos. Tu t'es mis tout le monde à dos. Quand tu es parti sur du noir, quand la tête s'est insultée là, c'est les abeilles qui étaient là avec le noir pour te soutenir. Tu as oublié tout ça. Tu as oublié. Il faut te reconnaître dans la vie. On n'était pas obligé de le faire. Parce que si on voulait penser, c'est que tu nous as fait dans le noir. On ne devait pas le faire. Mais nous l'avons fait. C'est pas obligé. Et tu demandes à Flo, Flo de te soutenir quand tu fais des points avec la Lyon, mais de l'ombre, c'est un peu trop osé. C'est un peu trop osé. C'est osé. Parce que tu peux demander à quelqu'un que tu as insulté pendant 8 ans dans le noir. Tu as dit des choses graves dans le noir. Tu vas sortir des vidéos là. Tu as dit des choses très graves. Tu as traité de Waka. Tu as dit beaucoup de choses.
Mais on n'entre pas dans les détails parce qu'on a fait la paix. On a fait la paix. Mais tu demandes qu'elle vienne te soutenir. Toi qui l'as fait pendant 8 ans dans le noir, tu demandes qu'elle vienne te soutenir parce que tu fais la crèche avec la lionne. Toi-même, tu comprends ça comment? De toi, moi, tu vas comprendre. Tu peux analyser ça comment? Mais c'est le fou. Mais c'est trop demandé. Puisque tu viens de nous, elle ne se met pas à ta carte, toi, ni moi. Mais c'est moi qui étais en Belgique. Je vais faire le diable pour venir soutenir ton gars. Non, on ne peut pas mener un homme comme ça. On ne peut pas humilier un homme devant la toile. Tout le monde voit une personne et ne dit rien. C'est quand même l'enfant de quelqu'un. Mais tu n'as pas regardé où j'étais soutenu. Quand tu as des amis qui veulent à tout putain de terre, qui veulent à tout putain de dans nos classes, tu es venu m'insulter que tu as fait quoi dans ma vie. Non, j'ai déjà fait mon enfant qui est en Bengla. Elle va m'acheter la humeur. Elle va m'acheter même les 5 étoiles. Mbappé, son père, j'ai tout fait pour lui. Mbappé, son père, j'ai tout fait pour lui. C'est un immigré. Sa mère est immigrée. C'est que tu es. C'est l'éducation de l'Église au Gloria. Ça dépasse tout ça. Il faut arrêter de se rendre des potes dans la vie. Moi, je te dis que tu as fait de te perdre dans ton classe. Tu te perds dans ton classe. Tu te perds, ma petite soeur. Calme-toi. Calme-toi. On va te laisser le salam. Il me parlait de te parler la course. Elle t'aime trop. Elle t'aime trop. C'est une fouteuse de troubles. Hein? Cette salle, elle avait mon nom dans sa bouche, tout et tout. Ça, là, je mange les fêtes de faire de toi. Mon nom, c'est pas dans ta bouche. Je te dis que j'ai cherché ton niveau. Je peux te dire que maman. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a le cœur. Je n'aime pas voir quelqu'un qui se perd. Fais-toi stratège. Même ma mère, je ne suis pas moi d'accord avec elle. Je ne veux plus que mon nom soit mêlé dans vos histoires-là. Comme même au point de même. Je ne veux plus que mon nom soit mêlé dans les histoires. Je ne veux plus. Je ne veux plus que mon nom soit dedans. Qu'on me laisse, pardon. Tout le monde peut dire ce qu'il veut me dire de moi. Je m'en fous. Je n'ai pas pu ignorer. Mais moi, ça, dans ton direct, je vais te dire que petite soeur, calme-toi. Petite soeur, calme-toi. Dans la guerre de l'État, on a toujours besoin de soutien. Tu ne vas pas faire une guerre seule. Pour finir, tu vas claquer. Mais attends, quelqu'un t'a claqué, tu dis que tu as pleuré. Mais prends sa vidéo, elle a pleuré à Rouen, là, tu commences à faire de l'équitage. Elle n'a pas pleuré comme toi. Mais tu sais même comment. Comment vous avez-vous compris qu'on ne sait pas le classe? Quelqu'un a pleuré, tu as pleuré. Quelle équipe t'a pas dit, quelle équipe t'a pas que les filles de Rouen, là. Ah, vraiment, il faut. Quelqu'un même à Rouen t'a rendu ouépé. Comme tu dis que tu es devenu ouépé, quand tu es ouépé, vends des médicaments là. Tu peux faire ça. Ça veut dire que vous vous perdez les directions. Arrête de répondre à tout le monde. Tu ne veux pas, qu'on ne peut pas répondre. Repose-toi, ma petite soeur. Tu as conçu. L'avenir devant toi. Fais ce que tu peux donner. Tu as quelqu'un fou. Tu as quelqu'un bête. Tu as quelqu'un perdre le compte. Tu vas toujours même plus t'occuper de ton mari dans la maison, même de tes activités. Tu vas venir répondre à tout le monde. Hein? Tu vas venir répondre à tout le monde. C'est plus, c'est même sur toi là. Tout le monde se met sur toi. Tu vas te sentir comment? Il faut que mais que tu n'appelles pas son nom. Moi, j'ai jamais quelqu'un n'appelle pas mon nom. Tu peux appeler mon nom quand tu fais tes cas. Tu peux même me comparer avec qui tu veux. Mais dis que m'insulter, ce n'est pas bon. Si, comment dire, Marthe la Rose, Marc la Rose, tu le nom de Flore. Elle ne tue pas le nom de Flore à la classe. Tout aussi pour utiliser son nom. Mais elle met son nom dans la saleté. T'attends, Lolo. Elle met son nom dans la saleté. Je suis désolée. C'est pas comme ça qu'elle devait mettre son nom dans la saleté. Est-ce qu'elle abeille? Elle est trop libre comme toi. Et pourquoi alors moi, quand moi je veux parler, alors pour venir me défendre, que moi je ne veux pas l'insulter, on prouve que je n'ai pas prononcé. Non, l'autre jour, tu as pas. Ce qui a énervé les abeilles, c'est ta sortie de l'autre jour. Tout le moment, mais ça m'a énervé. Mais comment elle peut faire des choses comme ça? C'est ça qui a énervé les abeilles contre toi. Si les abeilles. Mais le tata, tu crois que les abeilles ont besoin qu'ils fassent vraiment quelque chose pour. Quand ils ont laissé la lionne m'insulter pendant des semaines et semaines, quand elle dit que j'avais demandé que pourquoi ma faune n'est pas venue dire que non. Il faut stopper. Elle n'a pas dit, je n'ai pas demandé que ma faut me défendre. Mais c'est un peu trop aussi ce que tu as demandé là. Donc tu vas dire, la lionne n'est pas un blog comme toi. Mais c'est ton nom de Flore. Vous avez oublié, mais vous savez combien vous voulez qu'on reçoive les mamans. Tata Lolo, elle disait que, oui, tu as insulté maman de Flore. C'est où elle s'est cachée derrière ça, pendant des semaines. D'où je dis que, oh, il y a un moment, il y en a marre, non. Pourquoi tu as que pour son nom de Flore dans ton truc? Tu as ton blog, la lionne a son blog. Si la lionne t'insulte. Mais qu'elle m'insulte, mais qu'elle n'a même pas le nom de Flore. Pourquoi à chaque fois les gens insultent et mettent le nom de Flore? C'est peut-être que parce qu'ils n'ont pas insulté Flore, ça devient ma part de problème. Même moi-même, les gens insultent, ils utilisent mon nom, non? Nous sommes des stars. C'est normal que les gens vont utiliser nos noms pour insulter avec ça. Toi aussi, toi, il s'agit de reprendre ça. Mais qui ne me met pas au défi avec ça? Qui ne me met pas au défi avec ça? Endale dit que, essaye un peu. Hein? Je suis la baisse, essaye un peu. Tu vas. C'est pour faire quoi? On n'est pas des enfants. C'est toi qui es intelligent. Toi, tu dois la répondre à elle. Tu ne dois pas t'attarder
à répondre, à mettre de l'effort. Sois intelligent dans ça. Il n'a pas répondu. Mais parce que tu ne sais pas que le stress, c'est la stratégie. Tout le monde veut maintenant que tu sois seul. Et maintenant, ça doit être intelligent. Qu'est-ce que quelqu'un veut? Tu peux comme si tu n'as pas écouté le nom de Flo, tu peux être ignoré, tu parles grand de la personne. Elle n'a pas fait une fois, tata Lolo. Toi, tu avais quel problème avec une douleur celle-là? Tu faisais même quel problème? C'est elle-même qui sait quel problème. Moi, je l'avais reproché, tata Lolo. Je lui ai reproché que chaque fois qu'il s'agit de mon sujet, elle vient s'asseoir, elle décrypte. Il doit lui donner les conseils dès que même neutre même. Ah non. Elle me dénigre. Elle fait monter, comment elle s'appelle, elle fait monter les gens sur la vache que tu veux voir. Je ne le reproche pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Et à chaque fois, quand moi, je commence à l'insulter, elle m'appelle en aparté, elle dit que ouais, ma fille va doser doucement. Mais là, je ne sais pas à quoi de Catherine Chou, d'où j'ai cet acharnement-là. Mais moi, je dis que ce n'est pas une histoire de Catherine Chou. Moi, c'est mon histoire de elle et moi. Moi, c'est elle et moi. Elle m'a toujours, jusqu'à même chez Catherine Chou. Je suis monté là pour te donner des conseils que la guerre de méta, c'est la stratégie. Mais quand Marta me dépare les pages, je me déconnais de Facebook. Est-ce que Facebook, c'est quoi déjà? On ne se déconnaît pas du Facebook du jour là, mais c'est faux. Tu vas même tuer un faux profil et tu seras tenté à venir au point. Quand tu fais la guerre sur militaire, il faut être stratège. Si tu es stratège, tu vas t'en sortir. Tu ne peux pas te mettre en dos les gens qui t'ont soutenu hier. Les abeilles, moi j'ai vu sur ta page. Les abeilles, c'est un grand soutien pour toi. Si les abeilles sont retenues contre toi, c'est parce qu'ils ont vu ce que tu disais, ils ont aimé. Dans le livre, les Césabelles, tu dis que ça, les Césabelles sont comme les chiens. Ils disent, on est chiens et chiens. Ils vont jamais m'apprécier. Non, mais quand tu me dis que Résil ne va pas Flore, il ne va pas Ré. Quand tu dis que Résil, tu te flore, je te en guerre. Résil m'a menacé. Tu peux être aussi grave. Lourève t'a défendu, non, Dolo. Non, c'est pour ça qu'elle a le pouvoir de menacer à me dire que j'ai laissé le sur le portable. Avec toi, alors, on ne doit pas te parler. On doit seulement te chérir. Non. Toi, tu fais le cadeau, tu as le droit. Est-ce qu'elle a le pouvoir de me dire qu'elle a laissé le sur le... Il demande, c'est qu'elle a là. Ça dépasse ce qu'un gosse a sur son portable. J'ai demandé qu'est-ce qu'elle tue quelqu'un. Est-ce que j'ai tué un être humain? Ma mère m'avait posé la question, tata Lolo. Elle m'avait dit que tu as peur de quoi? Est-ce que tu as tué quelqu'un? On allait filmer. J'ai dit non. Et alors, d'où est-ce que c'est tranquille? Elle me dit plusieurs fois, elle me dit que je suis hypocrite avec Flore. Elle se permet de dire ça par rapport à quoi? Mais vu, toi t'es sorti, il faut que tu dises que tu es hypocrite. C'est parce qu'il est. On a juste pas mal l'hypocrisie, on ne connaît pas. Tout le monde, il y a l'hypocrisie, même les Bamlékés ne font même plus l'hypocrisie. Tout le monde, il fait l'hypocrisie. Tout être humain a un côté hypocrite. C'est la fois qu'il dit que les Bamlékés, là. Tout être humain a un côté hypocrite. Même les Français sont hypocrites. Tout être humain a un côté hypocrite. Non, Sorel, il faut les. C'est toujours moi le problème. Tu sais. La preuve que tu ne pas Sorel, là, elle ne t'aime pas. C'est les faux profils qui veulent. Elle ne veut pas te donner les bons conseils. Elle veut t'induire en erreur. C'est les faux profils sont là pour la merde. Je te dis que quand tu es en guerre, le soutien est important. Ne fais pas la guerre avec tout le monde. Tu comprends, ma petite sœur. Moi, je voulais juste recadrer les choses, tata Lolo. Parce que moi, j'ai horreur des menaces. Sincèrement, je suis déjà allergique à ça. Parce que c'est quand ça me fait, c'est pas l'honneur. Mais quand j'ai vu que la personne me fait des menaces, tu dis que le rêve a insulté, mais on s'est insulté. Ça venait de tous les côtés. On s'est donné. Moi, j'étais la victime. Moi, c'était la victime, tata Lolo. Est-ce que les gens acceptent maintenant ça? Non. Ils ont cru que moi, j'étais électron libre quand j'étais dans la team aussi. Mais moi, me rappelle, moi, en fait, ce qui m'a choqué, c'est que Rêve a insulté, moi j'ai insulté. Elle comment dit, vous étiez en guerre, moi je suis dans une team. Mais dans le direct des rêves, les abeilles sont en train de reprocher comme quoi j'ai insulté Flo. C'est pour ça que j'ai demandé que c'est le monde à l'envers. Il ne parle pas d'avant, il parle d'hier. Quand vous êtes déjà réconcilié, c'est ta vidéo que tu as fait avant-hier. Il ne parle pas du passé, il parle du présent. C'est la vidéo que tu as fait avant-hier. Demain, tu as expliqué sur la vidéo. Hein. Et avant de poser cet acte, je crois que j'ai été insulté quand même avant. Tu as oublié que Ndala a commencé à parler. Parce que Régis, mais ne parle pas du passé. Les abeilles sont en train de m'étaler là-bas. Les abeilles s'adressent à Lolo. Les abeilles. Attends, Lolo. Il y a un moment, il fait connaître. Tu as vu comment les abeilles m'ont traité chez Ndala. Je suis. Ouais, attends, je te dis que je suis honnête. Je te dis que je suis. Tu ne comprends pas. Il parlait du passé. Il a dit que les abeilles t'ont insulté. Mais il parle du présent. Est-ce qu'avant, c'était insulté? C'était dans tes directs, non? Pour vous être réconcilié. C'est l'autre. Avant, c'est l'autre qui a fait. Mais c'est pas pour que ça m'insulte chez Ndala. Il pouvait être réconcilié. Avant ça, il y avait d'abord les injures. Moi, je ne connais pas les injures. Wow, je ne sais pas si on se comprend. Tata Lolo, je crois que tu as raté les épisodes. Ah oui, peut-être. Je dis que Ndala m'a insulté il y a combien de jours ou deux. Comme elle enchaîne tes mains, elle dirait là. Pff,
Bref, c'est où j'ai vu les. Si je voyais les injures des abeilles. Parce qu'elle m'a traité de prostituée, de machin de 50 euros. Quand j'ai vu comment les abeilles me décrivaient, me traitaient de prostituée, me traitaient de ceci, d'où j'ai fait cet acte-là, Tata Lolo. Je ne suis pas idiote. Je voulais faire le rappel que n'oubliez pas. S'il faut parler des abeilles, ils ne devraient pas m'insulter comme ça, Tata Lolo. C'est en logique. Ah, ça a sauté. Si vraiment les abeilles, voilà, Saint-Chan, merci que tu es là, Mako, merci que tu es là. Hier, tu m'as dit quoi? Saint-Chan, tu m'as dit quoi? Ne prononce plus le nom de Flo, non? Saint-Chan, s'il te plaît, il faut le redire, c'est ici. Tata Lolo, ça a sauté, je ne sais pas. Il faut le redire, c'est Saint-Chan. Tu m'as dit hier quoi? Que ne prononce plus le nom de Flo, non? Voilà. C'est ce que j'ai dit au départ. Je ne sais pas si tu viens d'arriver, Saint-Chan. Que tu m'as dit que non, laisse le nom de Flore. Je dis que si tes gens aussi me laissent aussi, je vais arrêter. Saint-Chan, ça a recommencé chez Rêve. D'où Tata Lolo en train de monter là pour dire qu'on peut faire la guerre avec tout le monde. Ce n'est pas une histoire de guerre. C'est parce que quand j'ai vu, comment dire, Tata Lolo, je ne sais pas si tu es encore là. Attends, rappelle-là. Voilà, ça en cours, Tata Lolo. Donc, je disais que Tata Lolo, je disais qu'Endal a fait un direct avant-hier. Tata Lolo, si tu lis comment dire, les injures, et le pire, c'est que c'est les mêmes abeilles qui viennent chez moi. J'ai eu pitié de moi, Tata Lolo. J'ai dit que si les abeilles pouvaient m'insulter, mais pas de m'insulter de putainerie, pas d'insulter ma piment, d'où j'ai posé l'acte là, Tata Lolo. Je ne fais pas les choses au hasard. Je les oui. Okay. Stratégiquement, si tu étais intelligent, si tu es comme pas que tu n'es pas intelligent, si tu avais la stratégie, tu ne devais pas tomber dans ces pièges-là. Ils t'ont poussé à bout, tu es tombé, tu allais t'attaquer à une personne qui ne t'a pas, pas attaqué. Tu comprends? Tu devais plutôt leur dire Je suis d'accord. voilà. Là, moi, c'est comment je suis monté pour te dire. Stratégiquement, ils t'ont poussé à bout et tu es tombé dans le piège. Tu devais plutôt dire que les abeilles vous, parce que quand les abeilles partent, font le coup, ça, leurs jacques, avec les Lumanettes, même tes gens aussi, ils te forment pendant les parties, tes gens qui te soutiennent, ils ne te forment pas. Donc il y a ceux qui sont là-bas pour poser le trou. Maintenant, toi, tu vas t'attaquer à un leader, mais c'est comme si c'est là où ils en profitent maintenant pour venir en guerre contre toi. Tu vas te mettre en guerre tout le monde alors. Moi, Moi, non, Tata Lolo, ils m'ont insulté avant que je ne fasse le poste. Je répète encore. Je Ah. n'avais rien fait. C'est à cause de Catherine Chou. OK. C'est tout. Voilà, on ne parle pas comme ça que tu ne veux pas parler le côté là. C'est à cause de Catherine Chou que Endala a fait le direct. D'où, voilà, d'où ça autant d'injures que j'ai fait le poste Tata Lolo. Et OK. j'assume. Mais Voilà. qu'est-ce Et c'est ça que j'ai mis l'intitulé que, comment j'ai mis l'intitulé que, n'oubliez pas votre passé. Avant de juger quelqu'un, regardez votre passé. Est-ce que les abeilles, ce sont la personne à qui tu t'adresses? Est-ce qu'on contrôle nos followers? Même Non, rien de la c'était personne, fort. Tata Lolo, c'était fort. Me crêter. J'ai même honte de sortir les mots qu'ils ont sortis. C'était fort, Tata Lolo. C'était fort. C'était manque. Mon père va se réveiller sur sa tombe, Tata Lolo. Moi, c'est ça qui m'a choqué. J'ai demandé que, ouais, Seigneur. Et les pires, c'est que c'était les abeilles que je connais, en fait. C'est surtout ça. Et quand j'ai vu comment ils m'ont crêté, hein? en Et d'autres dernière fois, qu'on m'a crêté, Tata Lolo, mots, ça ne m'aurait pas gêné. je dis que dans la guerre, stratégiquement, si tu avais, parce que tu es impulsif un peu comme au début, quand il commençait, tu étais impulsif. Si tu étais quelqu'un qui avait la maîtrise, tu ne devais pas gérer ça. Tu comprends? Tu ne devais pas gérer ça. Parce qu'en ce moment, tu comprends, tu as aussi besoin de soutien. Tu comprends? Maintenant, la personne qui t'attaque, ça l'avantage plus que toi. Tu comprends? Nous sommes en politique dans les réseaux sociaux. Quand tu vois Sandra Mibango, ma copine là, elle est là. Vient là. Elle fait semblant de dire que Ndolo, Ndolo. Demain, va y aller te dire. C'est un insulte de tout. Hein. Je ne l'ai jamais insulté. Moi, la personne, je l'avais mon nom dans sa bouche. Mon nom dans sa bouche. Mon nom dans sa bouche. Quand elle m'énerve, ça va me bloquer sa part. Parce que c'est qu'elle fait, on m'identifie là-bas. Mais je dis que tu ne donnes seulement un conseil. Ne tombe pas dans le piège de bêta où tu vas te retrouver en guerre avec tout le monde. Yamsen ne t'a rien fait. Moi-même, personnellement, je t'ai rien fait. Mais j'ai fait un direct hier, Tata Lolo. J'ai fait un direct hier. J'ai justifié par Ouais, rapport à ça. Et moi, j'ai fini de parler. tu Jusqu'à vas j'ai pas même parlé de ta TV. J'ai même parlé que main dans la main. Vous êtes le Voilà. bon exemple. Toi, De si la j'avais ton paix. numéro, hein,
Je ne devrais même pas dire ça en direct. Parce qu'il y avait même avant que quelqu'un qui s'y avait ton goût, il devait taper. Parce que non, c'est parce que tu travailles, t'attends le lot, c'est pour ça que tu tombes sur le répondeur. Tu comprends, donc. Arrête de faire les guerres avec eux. Arrête. Ah, moi, je n'ai pas répondu. Même avec la remarque, la rose, ne fais pas les guerres avec elle. Même avec ta soeur, l'autre, ta soeur, ne fais plus les guerres avec elle. Mais elles sont libres de quitter. Mais là, tu es aussi le direct. Tu peux aussi quitter le direct. Tu peux aussi qu'on répond. Moi, je suis pas toi. Non, mais. Bon, tu es têtu. Tu es têtu. Et moi, je pense que tout ce qui s'est passé il y a 15 ans, tu l'as dit, ça t'a greffé dans la peau. Et ça, comme Lolo a dit tout à l'heure, ça ne peut pas quitter. Tu auras toujours une envie de revenir. Mais il faut souvent être véridique, Mbombo. Avant que tous les abeilles ne tombent sur toi, mais moi-même, je suis tombée sur toi. Tu avais déjà dit les mots grossiers à Flore. Tu avais déjà été grossier envers Flore. Tu as donné ta page à... Voilà. À ta tu vois alors, les voir ça. Donc, c'est elle pas moi, en fait. C'est pas moi le problème. C'est en fait, tu as dit, tu as dit que tu assumes tout ce qui se passe dans ta page. Et c'est quand j'assume la personne, elle est libre de dire. Non, ne laisse pas, moi je ne sais pas pourquoi ce qu'elle a de dire. Tout ce qui se passe dans ta page. Et après, quand ça a commencé à choper, c'est là où tu as dit que tu n'es pas responsable de ce qui se passe dans ta page, Mbombo. Avec tout ce que tu es en train de traverser, Mbombo, il ne serait pas mieux que tu partes un peu te reposer, ma belle sœur. Parce que ce que tu es en train de recevoir n'est pas petit, hein. Nous, on voit ça petit, parce que ce n'est pas nous que ça touche. Mais en tant que femme, Mbombo, ça te touche. Parce que le fait de pleurer là, tu ne pleurais pas le deuil. Parce que ce sont des choses qui touchent. Tu es un être humain. Ne dis non, non, ce n'est pas le Facebook qui sera ta thérapie. Bonjour, Marie. Facebook ne sera jamais ta thérapie. Tu es en France, tu peux profiter des suivis psychologiques. Parce que ce que tu as reçu une grande déception et un coup de gueule. Un coup de poing sur la gueule. Mais ne viens pas dire que les abeilles se sont réveillées comme ça pour t'insulter. C'est la rose. Non, non, rose. Non, non, Mbombo. Non, Mbombo. Non, Mbombo. Bon. Non, c'est parce que j'ai dit que j'assume tout ce qui se passe chez Catherine que j'ai droit à tout ce que vous me faites. Oui, tu assumes. Ça va. Et puis, les abonnés sont comme, mais tu assumes alors. Laisse aussi que toi, nous, si on va t'insulter, assume alors. Assume. Assume, Mbombo. Maintenant, moi, c'est clair. Maintenant, alors, ta copine a fait un direct sur ta page et puis tu as dit que tu t'assumes. Oui, c'est ça. Quand ça, comme Lolo, ça a commencé à chauffer qu'elle a dit qu'elle n'est pas responsable de la personne. L'addition des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça commence à chauffer qu'elle dit que je suis plus responsable. Oui, oui, moi, oui, 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 oui. Le direct, la Rose a bien décrit ça. Et dans le même direct. Même devant dans le même Mbombo. On a combien là devant presque 400 personnes. J'assume Catherine. Oui. Je l'assume. Mbombo. Devant vous, on le fait encore. Mbombo, on ne dit pas non. Le problème, hein. On ne dit pas non. Mbombo, il faut laisser. Tu n'es pas King comme ma soeur. Tu es un être humain. Je n'ai pas dit que... Ouais. Non, parce que tu te fais chaud de l'air. Me comprendre. Mbombo, je te comprends, moi, hein. Je te comprends très bien, ma soeur. Je te comprends très bien. Laisse le coup. Tu ne joues pas au gros dos. C'est parce que je veux te comprendre. Je n'ai pas aimé. Je te laisse parler. Oui, vas-y, vas-y. Non, parle, excuse-moi de t'avoir. Oui, c'est que le pourquoi j'ai lancé ce direct-là. C'est parce que justement, je n'ai pas apprécié la manière dont Rêve m'a parlé par rapport à Flore. Jusqu'à dire que c'est que le direct que tu fais là, c'est le direct d'hypocrisie, que tu n'aimes pas Flore. Et je peux décrypter le direct pour démontrer ça. Et elle me dit. Et pour finir, elle me dit que le portable, si. Ndolo, il y a beaucoup de choses ici, là. Et c'est seulement que je n'ai pas envie de sortir ça. J'ai dit que Rêve, je n'ai tué personne. Si tu es quelqu'un, montre. Mais si ce n'est pas ça, le reste, facilement, on me fait pas le chantage. Sors ça, ma. Même devant ton direct, là, fais-le. Elle me dit que non, mais je dépends pour qui. Le direct, encore là, c'est encore posé. D'où je me suis énervé. Et quand elle me dit que j'ai jamais dit que je suis Bamileke, là, je viens le dire maintenant. J'ai dit que Rêve, elle-même le dit encore qu'elle ne me suivait jamais.
Mais par contre, c'est que les abeilles lui disent que moi, parce que j'ai insulté, et ils trouvent l'excuse comme quoi, j'ai insulté Flore. Je suis Bamleke. Et je suis fier. Et ce n'est pas parce que je suis Bamleke qu'il n'insulte pas les autres Bamleke. Et j'ai toujours dit que c'est ma mère qui m'a élevé. D'où j'ai beaucoup plus le côté bétique. Mais j'ai amouru plusieurs fois que j'étais à Bangaté. Je n'ai jamais caché le côté Bamleke. Comment je vais cacher mon père? Tu as toujours dit ça ici. Et puis, il y a quelque chose que tu ne veux pas assumer depuis que tu es sorti dans le noir. Maman, qu'est-ce que tu ne veux pas assumer? Dis-moi. Tu vois, hein, Mbombo, c'est pas. On dit souvent, on a souvent des expressions dans Facebook qui disent que le sorcier oublie vite le mal qu'il fait à des familles. Mm-hmm. Mais les familles des victimes n'oublient jamais. Mbombo, tu as accepté que tu as fait du mal parce que tu étais dans une team. Tu as tellement fait du mal aux gens. Surtout à Lolo qui est là, parler jusqu'au ventre muet, ce qu'une autre femme ne devrait jamais souhaiter à une autre femme. Pardon, le ventre muet, pardon, enlève-moi sur ça, de grâce, pardon. Bon, tu as dit beaucoup d'énormités, même si je peux même dire que le ventre muet... Je le répète encore devant Tata Lolo, je n'ai jamais accouché, pardon, de grâce, ne me mettez pas ce que... Comme Tata Lolo avait dit, j'ai lancé là-bas que j'étais sa maman, enlève-moi certaines choses sur le corps, pardon. J'étais dans une team, je ne suis pas... J'ai été méchante comme tout le monde. J'insultais, mais pas. Oh, il y a les degrés que je m'arrêtais. Regardez comment je me suis acharné. Puisque regardez comment il m'acharnait une grosse. On m'avait vu toucher sa famille. Et pourquoi je vais faire ça au noir? Hey! Mbombo, on était tous sur Facebook. Oh. On était sur Facebook. Mais pas les femmes. Même Ngosa, c'est pas le côté là. Oui, on laisse le côté là. Même Ngosa, avec qui je n'ai jamais insulté, viens, ventre muette. Non, Mbombo, et aujourd'hui, tu ne peux pas dire que maintenant tu es sorti du noir. Et les gens se rappellent. Pardon, ma. Qu'est-ce que je n'assume pas? Pardon, on t'a dit que tu manges l'enfant d'une personne. Oh, je suis en train de prendre une hypothèse. Du noir. J'ai demandé pardon. Mais tu ne comprends pas ça. Tout le monde ne peut pas accepter ton pardon. Il a donné ça. Même d'attendre à l'année prochaine, par rapport à ça. Voilà ce qui revient tout le temps. Ça revient alors tout le temps en disant que. D'autres ont pardonné, mais d'autres ne pardonneront pas. Donc, il faut aussi accepter que quelqu'un peut se lever le matin. Mais le problème, c'est que nous tous, on a fait du sale, nous tous, on a insulté la même personne. Pourquoi moi, je dois porter le fardeau là? Quelle même personne? Moi, on m'a insulté. Alors, moi-même, on m'a insulté. Qui m'a fait? Qui n'a pas insulté? Qui? Ouais, moi, je n'ai pas insulté. Tu sais quoi? Oui. Tu es comme la fille. Si tu veux pas écouter, moi, je vais te lister. Fais comme tu veux. Tu sais? Parfois, nous les amis, on n'a que de parler, non, on n'a que de parler, ma. Moi, je suis quelqu'un qui garde pas rancune. Hein. Quand je dis que j'ai parlé, que j'ai parlé, la personne passe à autre chose. Maintenant, moi, je te vois un peu déséquilibré. C'est vrai que je voulais te ramener un peu à l'ordre pour te dire que quand tu fais le flash, les gens qui s'en prennent à toi, ce n'est ni Ray, ni les abeilles, ni Flore, ni moi, ni qui conseille. Une personne qui met ta vie qui était cachée. Parce que nous, tous, on a des poutus dans les placards. Chacun poté, je ne sais pas, les placards, il y a la qualité, etc. Donc, vous voyez, t'exposer stratégiquement, c'est cette personne-là que tu dois t'en prendre. Quand tu t'en prends à tout le monde, cette personne est contente parce qu'elle te trouve déstabilisée. C'est ce que moi, je devais te faire comprendre. Que soit intelligent. Imaginez un peu que quand si Flore n'était pas occupée dans cette étude de soirée et qu'elle avait appris que tu as dit comme ça, tu es un soma, laisse de bavarder comme bavard, là, tu peux tenir le plat avec Flore. Sur toi, les abeilles, sur toi. La tête à vous, sur toi, le patron. Attends, non, mais viens répondre à Rêve, là, ça dit que tu es déséquilibré. Donc, Rêve, le quoi de me rabaisser, et moi, je suis déséquilibré. Moi, je sais ce que j'ai compris là-bas. Laisse-moi finir. Tu ne peux pas t'en sortir avec tout ce monde là contre toi seul. Je te jure, moi, c'est à toi. Tout le monde est contre moi déjà, et la preuve, ça va tellement vite. C'est toi qui as voulu que tout le monde soit contre toi. Parce que tu n'étais pas intéressé. J'ai vu quand tu étais au début. Tout ce monde était dans tes directs. Tout ce monde était dans ces temps de direct. Tout ce monde-là. Mais et ce qui est bizarre. Oui, vas-y, pardon. Vas-y, d'attendre. Tu as dit que après, moi, je n'ai pas. Moi, non, pas insulté. Je parle à dire que les autres, c'est facile. Quand ça vous arrange, non. Les autres, quand ils parlent, pour eux, tout est normal. Mais quand c'est d'autres, ils parlent, les autres, c'est vrai. Non, mais ça qu'elle dit que j'ai lancé le direct, c'est-à-dire que rêve quand elle m'a... Mais je ne sais pas si vous voyez un peu le ton avec quoi elle m'a parlé. Moi, je m'en fous, mais je sais que j'ai pas prévu d'appeler depuis.
Vous avez appelé ta personne, tu as mon dernier direct que tu as pris ton numéro. Je ne comprends rien. Donc, est-ce que tu me conseilles là? Je ne comprends pas. Pourquoi vous voulez, mais vous voulez, mais comment vous ne voulez pas que moi aussi vous parle? Oh, mais ça, Donald, tu veux que tu reprends, arrête, moi je m'en fous. Non, mais quand même, c'est pour moi, la personne qui dit que je ne comprends rien. Quand même, c'est que moi, va m'expliquer. Moi, je suis à préparer à ça. Tu comprends? Mais je t'explique que stratégiquement, j'avais déjà demandé à toi. Voilà, je ne réponds pas à tout le monde, j'ai compris. J'ai dit que je vais t'appeler au téléphone pour te parler. Tu comprends? Mais si ta copine peut le dire sur ta page, en ce moment, tu peux dire à ta copine que, ouais, ma, pardon, dans il y a certaines côtés qu'il faut épargner parce que je suis en guerre. Tu comprends? Elle va te comprendre. Si ta copine va te comprendre, ce n'est pas une que tu as. Maman, mais toi, si, hein, il y a les retournements à les réseaux sociaux, tiens, Dolo. Attention, hein. Moi, je prends la présence. Moi, je vois qu'il y a une fille. Là, tu as vu, c'est le camarade, tu as vu, elle a fait le poste. Moi, tu m'as vu, j'ai la réponse. Je ne peux pas la répondre. Parce que c'est quelque chose. Tata Lolo, excuse-moi un peu. Les gens qui disent qu'on veut que Ndolo insulte Flo, parce que Ndolo n'a pas encore compressor. Ndolo n'a pas encore insulté compressor. Elle veut l'insulter. Pour vous, l'insulte, c'est quoi? Vous voulez que Ndolo passe un rabaisse pour dire qu'il demande pardon? Demandez pardon à qui? Oui. Donne-moi la manipulation. Ndolo et compressor se sont déjà insultés. C'est ça la mine bancaire de qui, ça? Demandez pardon. Quelqu'un m'a fait du mal, tu demandes pardon à la personne qui t'a fait du mal. Comme celle-là. Elle est mon valo. Moi, j'ai dit ça. Ndolo, je demande. Tu n'as pas encore jeté sur la toile. On veut que tu ne dis pas quoi. Moi, je ne veux pas que tu te mettes le monde à dos. C'est ce qu'elle dit. Elle insulte compression tous les jours. Vous voulez encore qu'elle insulte. C'est vrai. Tout. Vous êtes vraiment malade comme votre compression. Je pense que tu avec les abeilles, avec les humains, avec tout le monde. Mais là, tu sais pas le problème. Maman, est-ce qu'on veut me dire? Hé, hey, Tata Lolo, je vais te dire que le mania, moi, ne me pouvons pas. Mais j'ai dit que, les abeilles, moi, c'est la souris. Les personnes, il y avait même des gens qui me feront même beaucoup, même là. Moi, tu parlais, moi, ici. Je n'ai jamais rien caché, Tata Lolo. Il y a besoin que vous ne me comprenez pas souvent ici, là. Les mayas sont encore plus doux, même que les abeilles. Les abeilles, ils font moins que zéro. Ils me prennent en charge. Mais quand je vois les autres, comme ils pardonnent facilement les autres, mais je ne sais pas pourquoi avec moi. Ils ont une telle facilité, en fait. C'est ça que je veux comprendre. Ils ont cette facilité à me... moins d'erreurs. En fait, avec eux, quand je t'attends, ils me pardonnent pas. Ndolo, c'est faux. Ils me pardonnent pas. Je vais t'expliquer. C'est pas cher. Mais qui m'a demandé que je m'embrouille ici? C'est plus avec les que je m'embrouille. Ndolo, c'est pas quelqu'un. Nous sommes en politique dans l'État. Chacun connaît la politique de l'État. Donc, il caresse les abeilles. Parce que les abeilles n'ont pas d'amis. Une fois que tu dis deux mots, je peux faire les deux mots, même les têtes à ouvrir, ils n'ont pas la vie. Dès que tu dis un mot contre les deux, ils vont sortir sur toi. C'est que les mots n'ont pas encore dit les mauvais mots sur les deux. D'accord, c'est qu'ils t'intéressent encore. En tant que jour, quelqu'un sort un mauvais mot sur les deux, tu vas voir comment ils vont réagir. Qui t'a fait les deux mots, qui t'a fait les abeilles, qui t'a fait la tête à ouvrir. Ils vont réagir pareil, ils vont réagir de la même façon. Tu comprends, non? C'est pas pour le moment, tu n'as pas encore de leur aide. Non, c'est la même façon. T'attends, Loé, je t'arrête. Je sais de quoi je parle. J'ai observé. Je sais de quoi je parle. Je t'ai dit, non, tu ne connais pas moi, maman. Je suis sur la plateforme depuis. C'est faux. Je dis que les Lomaniens n'ont pas la même agressivité que les abeilles. C'est faux, c'est le mensonge. Mais le mensonge sont comme ça. Moi, c'est mon observation. Les abeilles sont comme ça. C'est que les Lomaniens, quand je l'ai demandé de laisser. T'attends, Lolo, tu as bien dit que tu veux venir me donner le conseil et je t'ai répondu quoi? Je t'ai insulté, non? Est-ce que tu as vu que les abeilles, les Lolomania m'ont fait ce que les abeilles ont fait la chaîne d'aller? C'est ce que je te fais comprendre. Mais si tu rates beaucoup de choses comme ça, non? Tu rates beaucoup de choses. Mais bon, c'est comme ça, hein? On t'a fait ça là-bas parce que tu as insulté mon problème. Non, je ne peux pas comparer, pardon. Je sais de quoi je parle, Tata Lolo. Je sais de quoi je parle. Quand j'étais, comme tu as dit que j'étais insulté, non? Est-ce que les Lolomania ont fait comme les abeilles? Aïe, maman, ils m'ont pas raté. Ah! Je ne comprends pas les teams. Je sais encore de quoi je parle. Je me dis mes paroles. Je suis encore les teams. Il a dit qu'il est en train de passer mon pot avec ma page ici. Parce qu'il y avait qu'il est en train de faire direct. Moi, je suis en train de préparer mon émission dimanche. Tu comprends? Mais. J'ai même partagé. Lolo vous dépasse à minuit. Même ton ancienne, ton ex-copine, les poules, moi, elle m'a. Zap. Tu comprends? Reste tranquille. Tata Lolo, tu as vu qu'elle a répondu qu'elle a fait, elle s'est moquée de moi là que je pleurais. Fais des dégâts, fais des dégâts, fais des dégâts, fais des dégâts pour le moment.
remets-toi d'abord, essaie de te reposer un peu, fais des petits blagues, laisse d'abord tout ça. Tu comprends? Parce que dans la colère, hein, moi je te comprends, tu l'as fait dans la colère. Ce que tu as fait, le poste que tu as fait sur ma soeur, c'est dans la colère. Et c'est ça les conséquences des réseaux sociaux, des directs et des clashs là. Tu peux dire quelque chose. Mais quand moi je parlais, j'ai m'effacé cette tata de l'eau pour dire. Mais tu peux dire parce que tu étais en colère. Donc tous nos gens, les gens qui nous font les commentaires, ils nous insultent. Dans la colère, tu peux insulter quelqu'un pour y aller, alors que la personne n'a rien fait. Ça, c'est le voir les conséquences de tout ce que tu vois dans les clashs là. Pour le moment, reste d'abord tranquille. Rêve te parle. Mais vous vous clashez, non. Pour moi, quoi là-dedans? Moi, je me suis appris à parler par rapport à ce qui est dans le cœur de Mais c'est ça, le cœur de plus de parler. Tu comprends le don? Moi, je dis, tu m'attends pour faire ça sur mon frère. Où tu as classé rêve? Où tu classes rêve? Elle veut rêver. Elle moi, je la classe. D'attendre le lot, on classe quelqu'un appelle bon. Rêve. Quand même. Je n'ai pas manqué de respect. Je n'ai même pas manqué de respect. Je vais parler normal. Les réseaux sociaux, tu ne vas pas. Je te demande que t'aimes pour d'abord. Tu ne vas pas. D'accord. Tu sais quand tu peux venir répondre à quelqu'un. Ne fais pas tout le coup, sur le coup, sur le coup. Maman, on a vu le monde. Et puis, ne reprends pas à tout, Ngolo. Ne reprends pas à tout. On a vu le monde. J'ai d'abord la force de répondre à tout. Il y a la... Si, tu reprends à tout, Ngolo. Tu m'as vu répondre. Il y a Ngosa qui a fait la blague sur moi. Tu m'as vu répondre. Comment vous dites que vous me voyez au juste? Moi, je peux pas les direct, hein. Ngolo. On a déjà dit que les cinq penchés, les 500 soutiens, les cheveux, quelqu'un coule la sueur, dit que ce sont les pipi. Parce que c'était tout que quand tu veux venir répondre, tu t'arranges même pas, tu veux répondre, tu veux, gars. Avec rêve, vous faites. Moi, rêve à son blog, hein. Moi, j'ai mon blog. Donc, c'est qu'elle fait, je ne suis pas responsable. Mais parfois, on s'en prend à moi, je comprends que. C'est-à-dire qu'elle a un peu d'amour parce que c'est ma soeur. Donc, je n'ai pas le choix. Je prends ça sur moi parce qu'elle aussi, elle est venue là pour défendre sa soeur. C'est aussi normal. Donc, c'est un peu ça. Donc, je ne peux pas dire que ma soeur. Parfois, si on ne va pas commenter avec mes chances, avec les gogo, moi, je les fume. Mais je suis en train de dire parce qu'ils ont commencé à parler que l'autre. Moi, je ne suis pas venu. Donc, c'est dedans seulement un conseil en tant que soeur. Tu comprends? Ne fais pas la guerre avec pour le moment. Non, mais parce que. Je ne veux pas apprécier. Quand il dit que j'ai toujours dit que je suis banganté, elle me dit qu'elle suivait plutôt ce que les abeilles disent. Elle dit que non, Dolo, t'attends le lever. Il faut que je sois vous. Ça m'a mis hors de moi, quoi. Je sais que moi, j'ai dit que c'est ce que. Moi, je dis que tu es banganté. Même Mbosa, tu dis que je suis banganté. Étonne. Je ne sais pas d'où. Moi, je m'entends avec tout le monde dans les réseaux sociaux. Avec je vais cacher les lignes de mon père et mon frère. Mais t'as dit que même Étienne, c'est ta soeur, laisse. Même l'autre soeur, laisse. Parce que pourquoi problème. Elle doit me laisser Tata Lolo? Nous, on va faire comment? Il faut qu'elle nous amuse. Tu ne sais pas comment les femmes-là nous amusent. Surtout quand l'autre crie là-bas. Bon, ça ne serait pas bien, voilà. Pardon, maman n'a pas la Catherine, elle vient crier. Ça laisse. Tout le monde est dans la guerre de Bétan. Pourquoi? Oui, maman, c'est pas possible. Non, tu ne peux pas nous faire ça. Catherine va venir crier. Ouais. Parce que dans le monde, il y a ce que. Madame Chapeau, moi, c'est parce qu'elle est occupée. Et je pense que tu as fait les appels de cash là. Tu connais que. Non, moi, j'ai parlé. C'est l'ouragan. Elle n'a pas besoin de ça. Voilà. Elle n'a vraiment pas besoin. Voilà pourquoi je dis qu'il faut. Je parle de ça, je parle de ça. Viens de ça, mon Dieu, qu'elle n'a pas besoin de ça. On commande tous pour le moment, on doit être la main dans la main. Le combat, c'est le 2. Voilà. Et Tata Lolo avec sa fille. Voilà. Tu la soutiens dans son truc. Toi, tu es dans ce que je fais, Tata Lolo. Mais tu ne sais pas qu'il y a des abeilles qui peuvent se lever le matin et commencer à me laver. Tu veux aller laver ma rancée parce que les abeilles m'ont insulté. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Parce que si je fais ça, les gens, il y a souvent les réconciliations sur la toile ici. Là. Mais ceux qui causent souvent les réconciliations sont les followers. Tu comprends? Mais quand tu es la maîtrise, tu ne peux pas tomber dans le piège. Et ils vont dire que nous, la parole n'a même pas répondu. Bon, moi, je vous laisse. Donc, nous sommes en politique dans méta. Quand ils ont lavé chez la veuve, là, tu dis que les laveurs venaient ici, vous me lavez pourquoi? Je voulais faire quoi? C'est ça que tu devais faire stratégiquement. Tu as fait quoi? Tu n'as pas suivi mon direct hier. Non, tu as fait ça hier, mais tu avais à déployer ta bombe. Tu sais pas comment. Mais ah, parce qu'à un moment, on laissait la voix de ta Lolo. Quand tu arrives au. Pourquoi j'ai fait ça? Quand tu arrives à ce niveau-là, n'est-ce pas?
Tu ne veux plus de phrase avec ça. Même bon, c'est toi qui as lancé, qui a allumé la. Oui, je vois ça, il y a un bon. Bon, je t'ai dit, tu écoutes, tu n'écoutes pas, nous sommes ensemble. Bon, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je m'en dis que venez seulement dire à rêve, c'est la manière de m'appeler. Moi, je ne suis pas là pour les problèmes. Hein. Si vous me voyez vrai, je ne suis vraiment pas là. Tout le monde a constaté que moi, je ne connais pas les clashs. Vrai. Et on veut que tu l'insultes. Tu vas l'insulter peu. Ça va me servir. On s'en fout. Ça va faire. Okay. Bon. Je vais te faire partir. D'accord. Merci, ma. D'accord. D'accord aussi, merci. Ciao. Eric, Angela, tu dis que quoi? On ne t'a même pas touché. Si moi, je vous ai touché et que vous avez riposté, ça veut dire que vous êtes touché aussi. Mais nous tous, on est humains, on est nés de la même chair. Angela, Zeta, on est nés de la même chair, ne te dérange pas. La preuve, vous étiez versé dans mon poste hier, non? Vous êtes en train de faire quoi, votre avis? Ouais, Angela, ton monsieur est grave. Vous avez dit que on t'a pas. Comme Tata Lola dit, si tout le monde de la toile est contre moi, là, moi, je quitte Facebook. Je me désactive mon compte. Maman, où je suis concentré dans mon travail, là, où je n'ai plus le temps de faire les directs, même dans ma page. Vous rigolez, même, hein? Vous voyez que je suis encore la Ndolo d'avant, là, que vous êtes, tu vois, que me fait le rappel, là, que Ndolo, me fait, tu le rappelles tout le temps, là. Je ne suis plus la Ndolo, là. Hein. Maman, comme je suis si elle vous dit même ce que j'aime à faire, là, on m'a même donné, maman, un truc là à faire. Je vous assure. On m'a dit, voilà tout un truc qu'elle doit faire ici, là, comme ça, là. Franchement, je suis occupé, vrai. Et en plus, encore, je voulais éclaircir un truc là-bas chez. Comment dire? La dernière fois. Endal a dit dans son direct que je dis que je suis banganté quand ça m'arrange. Comme je vous ai toujours dit, j'ai horreur de parler de ma vie. Parce que les Tata Lolo, les Flor, les Ngosa, ils ont subi ça. Et je le répète tout le temps dans mes directs, ils ont subi ça. Parce que quand on leur disait quelque chose, elles venaient se justifier. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas comme ça. Elles manquent les vraies choses. Est-ce que vous avez parlé même le côté de ma famille Bamdeke? Non. Est-ce que vous avez parlé même vraiment le côté de ma famille Eton? Non. Mais je n'ai jamais caché. C'est mon papa qui est banganté de Banyoun. Et je n'ai jamais caché ici que c'est ma maman qui m'a élevé. C'est ma mère dont j'ai grandi et c'est ma grand-mère. Donc quand on a affecté ma mère en Gandal pour l'armée, c'est ma grand-mère qui a pris soin de moi. D'où je vous ai dit, j'ai construit la maison à ma grand-mère et j'ai fait 3 chambres à louer. Je crois que je me suis assez expliqué. D'où, et quand on me dit que, oh, mais tu as insulté les Bamleke, j'insulte toujours les Bamleke, ma. J'insulte toujours les Bamleke, ça n'a pas changé. Hein. Je peux prendre l'exemple, nous, les Banganté. Quand tu pars à Banganté, je ne vois pas vraiment les constructions, mais va à Bafoussam, va à machin, même quand je suis au Cameroun, je vois que, ouais, tu vois, même sur la route comme ça, tu vois les constructions. Mais chez nous, ce n'est pas ça, parce qu'on nous appelle les Banganté, on nous appelle les Sawa de l'Ouest, voilà. On nous appelle les Sawa de l'Ouest, que nous, on ne fout rien. Nous, c'est que les vêtements. C'est un truc qu'on nous a collé, D'où vous m'avez vu, je combats qu'on vous a dit que non, une Banganté aussi peut faire quelque chose. Qu'on ne nous méprise plus, nous, les Banganté. Parce que les autres ethnies, les Bafoussa, machin, on les respecte parce qu'on voit ce qu'ils font. Mais nous, les Banganté, nous sommes à col, voilà, les Blancs, voilà, exactement, Liam. Ah, les Sawa de l'Ouest, merci, Mombo. Les Sawa de l'Ouest, voilà, on nous a toujours traités comme ça, là, que nous, on est toujours que c'est que vêtements. Voilà, les doigts, voilà. Donc, c'est pour cela que je combats ça, en fait. Mais quand j'évite souvent tout le côté Bamleke, parce que ma famille, ils me regardent. Et vous savez que chez nous, c'est le respect. Chez nous, c'est pas comme nous, les petits. Nous, on s'en fout. On est dans la parole. On n'est pas bien dans notre tête. Mais ma famille, Bamleke, je vous assure, c'est des gens qui
me respecte. Il y a un respect là-bas qui n'a pas de nom, qui n'a même pas... Je ne sais pas comment vous dire. C'est fou. Mais il faut voir le côté petit. Si vous dites, moi, si là, j'ai donné le terrain à mon cousin, le terrain de 300 mètres carrés, j'ai donné cadeau à mon cousin. Mais si vous voyez dans quelle merde il me... Hey. Le terrain, Ndjo, à mon cousin, dans le côté Betty. Ndjo, le terrain de 300 mètres carrés, à mon cousin, Betty. Si elle vous dit comment elle me parle maintenant, vous allez même avoir pitié de moi. Vous croyez que si j'allais donner ce terrain-là à mon cousin, le côté Bamleke, vous croyez qu'il allait me permettre, je dis que j'allais qu'aux anges. Les remerciements de ça tous les jours, mais il faut voir comment mon cousin Betty est en train de me nettoyer. Est-ce que je vais le regretter? J'ai fait un geste. J'ai fait un geste et je ne regrette pas. Mais regarde comment il me nettoie maintenant. Si elle vous dit même que lui et moi ne se parlent même pas. Si elle vous dit même pourquoi on ne se parle pas. Fan Club, mais ça, j'ai appelé Rêve parce qu'on était dans son direct et tout. À l'habitude, moi, j'étais moi tranquille. Moi, je voulais intervenir par rapport quand on disait que, elle me disait que quand tu es Bamleke, ça t'arrange. C'est maintenant, quand tu sors maintenant, que tu assumes que tu es Bamleke. J'ai toujours assumé que je suis Bamleke. C'est pas à 41 ans quand même qu'on va nier son ethnie. Ça, parce qu'on n'en parle pas. Je ne parle pas trop. Vous avez vraiment déjà vu me venir m'asseoir parler de ma vie? Il y a un moment, il faut quand même observer chacune dans Facebook. Combien de fois on a insulté mon mari? Combien de fois on a insulté ma mère? Combien de fois on a insulté ma petite sœur? Est-ce que vous m'avez déjà vu un jour venir m'asseoir et défendre? Je veux faire le contraire de nos leaders, de ce qu'elles ont fait. Moi, je fais le contraire. Parce qu'elles ont fait ça, on n'a que dans leur vie. Je ne dis pas que je ne connaisse pas ma vie. Et comme je vous ai dit que si j'étais une mauvaise personne, c'est que ça sort de partout. Nous tous, on a vu sur la toile ici, les détracteurs. C'est que ça sort de partout. D'où ça m'a énervé la façon dont elle a dit ne parle plus de Flore. D'où ça m'a mise et le ton qu'elle a parlé avec, comme si elle me donnait les ordres. Ne mettez plus fort dans vos saletés. Je ne sais pas quelle saleté j'ai fait pour parler de Flore. Et voilà que je viens de me justifier devant Tata Lolo et Mbombo. Et quand Angela dit que on t'a même pas encore rien fait, est-ce que moi me veux à toucher? Elisabeth, vous êtes tous débats, c'est moi. Il ne manque mieux écoute le conseil de Tata Lolo. Mieux. Parce que pour vous là, quand ça vous arrange, c'est bon. Quand moi je viens répondre, c'est que c'est moi qui suis instable, c'est moi qui ai un problème dans mon cerveau. C'est ça qui est dommage, quoi, sur la toi. Mais quand les autres font, c'est tellement pardonnable. C'est pardonnable. Ndale, elle a insulté, c'est pardonnable. La lune m'a insulté, c'est pardonnable. L'autre même rêve me compare, elle a insulté, c'est pardonnable. Et ils arrivent à trouver des excuses. Mais quand moi je trouve des excuses, ça ne me donne pas en fait. Ça ne me donne pas. Parce qu'il faut à tout prix qu'on m'écrase. Il faut à tout prix qu'on me dégage. Il faut à tout prix qu'on me dise dégage. Non. Mais quand je vais maintenant dire que je suis mécontent de ce qu'on a dit, ça ne veut dire pas que je suis à fleur de peau, je suis à machin. Oui, j'étais à fleur de peau. Berlin, comment tu as mon Berlin? Moi, je parle, quand vous me dites souvent, moi, ça me fait souvent rire. Quand vous dites que je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Pourtant, j'ai beau dire ici là que Ngossa, c'est mon combat. Je ne sais pas, je suis tellement incomprise ici. Je suis tellement incomprise que je ne comprends pas. Et parfois, ça me dépasse. Je suis trop incomprise. Pourtant, je le chante tous les jours que mon combat, c'est Ngossa. Regardez, même quand les gens m'attaquaient à côté, je ne répondais même pas. Regardez très bien mes directs. Ceux qui me suivent, s'il vous plaît. Pas ceux qui chutent. Ceux qui me suivent. J'ai toujours que Ngossa, mon combat. Nous, j'avais du mal à répondre aux gens d'un côté parce que Ngossa, déjà, seul n'est pas facile. Avec sa team qui me persécute. D'où je dis que je ne peux plus m'occuper des à côté. Et vous avez très bien vu ça. Parce que quand vous me dites que je réponds à tout le monde, moi je ris. Moi je ris. Ça s'est moqué de moi le jour là. Je pourrais venir m'asseoir pour clasher, non. Mais j'ai fait ça.
J'ai balayé. Voilà, voilà, Veuve Banga, qui est sur moi, non. Elle a dit que ça le construit sur le terrain de mon mari. Vous m'avez vu répondre? Non. Tatana, Tatana, hé, hey, Tatana, je t'aime trop là. Ton nom, là, est trop sur mon nom, là, dans ma bouche. Attends, Mula, Mula, parole, ma baisse. Attends, quoi? Quoi? Mula, lance, pardon. Je ne te trouve pas. Envoyez les cœurs pour Mula va entrer, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Elle n'est plus là. Elle n'est plus ici, Céline. Elle n'est plus ici. Ma lion chaton, je ne me suis pas encore. J'ai pas encore mon impulsivité là. On m'a reproché ça beaucoup. Hein. On m'a reproché ça. Moi, je me contrôle même déjà. Je me contrôle beaucoup. Mais pas de ma gueule, je me contrôle même par rapport à ça. Ouais, Mula, n'arrive pas à te prendre. Oh. Je me contrôle même beaucoup à ça. Oh. Je me contrôle beaucoup même. C'est vous qui n'avez pas remarqué. Je me contrôle beaucoup sur ça. Moi, j'ai même commencé le travail. Moi, je n'arrive plus à. J'ai plus que le temps, il vous manque pas. C'est juste que la façon dont Rêve m'a parlé, ça m'a blessé un peu. Je lui ai toujours dit que je suis trop sensible. Ah, voilà, c'est bon, je t'ai trouvé. Voilà, c'est bon, c'est en cours. Je suis trop sensible, je vous assure. Quand j'apprécie les gens, je vous ai toujours dit ça, j'apprécie beaucoup les gens sur la toit. J'apprécie beaucoup les gens. Mais quand ces gens-là se mettent sur moi, ça me blesse. Je ne vous mens pas. C'est vrai que je ne suis pas venu chercher l'amour, mais il y a des gens comme ça que j'apprécie. Vas-y, oh, ma mère. Bonsoir, Ndolo. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde. Ndolo, pourquoi tu es en direct? Bon, je n'ai pas suivi le direct de Rêve, je ne sais pas. Moi, en fait, comment dire? Voilà. Non, on était en train de discuter, comme on discutait, on parlait de Ngossa. Après, Rêve me dit que non, te voilà qui est en direct, je profite en même temps de te parler. Donc, comme il disait, elle me disait que non, Ndolo Moulema ne parle plus de Flore. Quand vous faites vos choses là et tout ça là, laissez le nom de Flore tranquille. Flore, tu ne l'aimes pas. Et je peux venir décrypter tes directs pour prouver que tu ne l'aimes pas. Et elle m'a dit que voici le téléphone ici là. J'ai plein de tes choses ici. J'ai plein de tes choses. J'ai pas seulement de les sortir parce que pour le moment là on n'a pas de problème. Je dis que non, Rêve, sors. Si j'ai tué quelqu'un, viens me dire devant tout le monde que j'ai tué. Mais si j'ai pas tué quelqu'un, c'est que tu as sur le téléphone. Dans le téléphone, ça me fait pas peur parce que moi j'aurai du chantage. Et elle m'a parlé tellement et les abeilles qui étaient là-bas ont renchéri et comme à leur habitude, toujours les injures qui sont allées dans tous les sens. Et en plus encore, quand j'ai dit à Rêve que je suis Bamleke, j'ai toujours dit même dans le noir. Même Ngossa avait toujours prononcé ça plusieurs fois que Ndolo est Bamleke. Elle a toujours dit que je suis Banganté. Les abeilles ont dit que non, je mens. Ce qui m'a énervé, c'est que Rêve les a cru lors de me croire moi. Et c'est Rêve elle-même encore qui dit que c'est vrai que je n'ai jamais, je n'écoutais jamais. Comment tu dis que tu n'écoutais jamais quelqu'un? Et moi, je parle, donc elle a cru aux abeilles. Alors que moi, donc je nie mon ennemi quoi. Dans le noir, je mens en même temps. Donc elle ne m'a pas cru. Ça allait dans tous les sens. Elle s'est moquée. Elle a fait ce que, donc ça m'a mis hors de moi. Je suis venu lancer le direct. J'ai dit que non, je suis fatigué qu'on me rabaisse. Je suis fatigué, que je méprise. Ndolo, je crois que je t'ai parlé, je t'ai dit, il ne faut pas, tu n'es pas obligé de tout reprendre, tu n'es pas obligé, Ndolo. Je n'ai pas insulté, je l'ai appelé Rêve. J'ai dit que ce n'est pas une blague. Mais je n'ai pas aimé parce que je suis fatigué qu'on me rabaisse. Quand je suis les gens que j'apprécie, c'est comme le père me sent vient, il me rabaisse bien, ou Star me sent. Les gens que j'apprécie, je précise bien. Je ne supporte pas ça en fait, par rapport aux gens. Je te comprends. Je te comprends. Mais je te comprends. Je n'ai pas grondé, je n'ai pas allé dans tous les sens. Non, j'ai dit que non, je ne suis pas d'accord que tu me rabaisse. Comment tu me dis, je n'ai pas parlé de Flo. Et avec le ton qu'elle a dit ça, j'ai dit que mince, ma, c'est comment? En parlant de Flore, je rappelle encore, moi je vais dire ceci. Arrêtez de dire aux gens de ne plus parler de Flore. Parce que si on ne parle pas de Flore, on parle de qui? Flore, j'ai dit, c'est une pionnière.
elle est la pionnière avec les Tata Lolo et les autres blogueuses, les Gossa et autres, même la veuve qui est ce qu'elle est là. C'est les pionnières. Si on ne parle pas d'elle, vous voulez qu'on parle de qui? Pourquoi tout le temps vous êtes en train de dire ne parle pas de si elle n'aime pas? Qui connaît qui aime qui? Qui a ouvert le cœur de quelqu'un pour savoir qui aime qui et qui n'aime pas qui? Ah, c'est... J'ai dit, si le blog Diapap existe, c'est en partie grâce à Flore, les Tata Lolo, les Ngossa et autres, les veuves et tout ce monde-là. Donc, si on ne parle pas d'elle, c'est les pionnières. Arrêtez tout le temps de venir faire des injonctions, il ne faut pas qu'on parle d'elle. Mais si vous ne voulez pas qu'on parle d'elle, ne prononcez plus son nom quand vous venez dans les directs des gens. Parce que vous venez dans les directs des gens. Vous mettez toujours le nom de Flore. Tant que la personne n'est pas en train de l'insulter. Parce que vous venez avec le nom de Flore. Flore, c'est une pionnière. Et je le dis et je le répète, on va parler d'elle aujourd'hui. On va parler d'elle demain. On va parler d'elle après-demain. Toutes ces femmes-là, vous parlez bien de Ngossa, non? Vous parlez bien des autres machins, de la veuve. On parle de toutes les machins. Vous ne pouvez pas venir donner les injonctions qu'on ne doit pas parler de ça, pourtant vous parlez des autres. Moi, c'est à ce niveau-là où j'ai un problème avec vous. J'ai dit, Flore, c'est une pionnière. Tant qu'elle est sur toile, on parlera d'elle. Tant qu'on ne lui manque pas de respect, on a vraiment le droit de parler d'elle. Merci. On a le droit de parler d'elle. Donc, arrêtez de venir donner des injonctions parce que vous appartenez à la team. Flore ne vous appartient pas. Même si elle fait ses posts et elle dit machin, si elle vous appartenait, même le truc qu'elle fait le 2 novembre, elle allait juste inviter que sa team à elle. Mais elle est en train, c'est tout le monde qui part. Ceux qui vont partir, partiront. Donc, elle invite tout le monde. Donc, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour elle. Elle n'est pas seulement pour sa team. La TK s'est venue. Elle a même dit que la TK s'est venue. C'est pourquoi je dis, elle n'est pas seulement, elle est une pionnière pour le blog camerounais. Parce que quand on parle d'elle ailleurs, on parle de la Camerounaise. On parle du blog camerounais. On parle de la pionnière du blog camerounais. Et vous venez tout le temps, on ne doit pas parler de ça. Pourquoi on ne doit pas parler d'elle? Vous êtes là, vous n'arrivez même pas à faire sa pub. Il y a un événement. C'est ça, au lieu de rester dans les problèmes. Vous, moi je vois vos commentaires. Vous venez ici, dites à Ndolo, je vous vois en commentaire. Oh, Ndolo ne fait plus ceci. Ndolo ne fait pas ceci. Ne fait pas ceci. Mais les mêmes commentaires, vous ne les mettez pas là-bas. Hier, la même personne, elle traite les gens de cafards, de regards, de souris, de tout. Je vais les écraser. Je vais les couper le souffle. Je vais les couper de l'eau. L'autre va mourir. Elle a une poche à caca. Et l'autre a le tombeau. L'autre est machin. Vous êtes là en train de renchérir. On t'aime. On t'aime. On t'aime. Vos hypocrisies que vous venez écrire là, ici, chez Ndolo, c'est pourquoi? Il faut arrêter ça. Vous voulez la paix sur Meta. Changez votre mentalité. Moi, je dis que quand moi, je n'ai pas dans là, c'est les commentaires qu'elle lit maintenant. Je vous regarde comme ça, je dis, hey, Seigneur, c'est vos commentaires qu'elle lit. Angela Zeta, tu dis que je dois retourner où? Je suis à l'église. Je n'ai jamais quitté l'église. Je n'ai jamais quitté l'église pour ta gouverne. Mettez vos commentaires quand je vous vois. Vous mettez les commentaires là-bas. Non, sont sucrés dans vos bouches. Vous passez votre temps à dire que c'est nous qui donnons. Voilà, Ndolo, elle est en direct. Je ne savais pas qu'elle était en direct. Mais vous permettez de dire que c'est nous qui donnons les conseils. C'est nous qui donnons les conseils à tel un tel. Ndolo a quel âge? J'ai quel âge? Les Catriche a quel âge? Bladut a quel âge? Elles sont mes petites sœurs, mais elles ne sont pas mes enfants. Elles ne sont pas mes enfants. J'ai beau dire, ne faites pas ci, ne faites pas ça. Elles font comme, bon, le semble. Hein? Elles font ce qu'elles veulent parce qu'elles sont des femmes accomplies. Je ne peux pas leur dire, machin. Et puis, donc, vous voulez que, mais vous dites quand même que la personne que vous allez soutenir, celle qui parle et qui insulte les gens, qui dit, qui promet la mort aux gens, qu'elles vont mourir. Quand elle se regarde, elle ne va pas mourir. Nous tous, on va mourir. Nous tous, on va mourir. Pourquoi? Puis, je vais mettre un point sur le diable. Quand tu viens souvent dans des lives, il ne faut pas faire comme si tu n'as pas écouté le début de la live. Ce n'est pas bien. Arrêtez un peu, soit de voir mettre un peu les gens dans les problèmes. Les abeilles n'ont jamais dit que quand tu mets c'est quoi que ce soit, que nous ne devons pas parler de Flore. Tout le monde, même moi, j'ai dit que. On va toujours parler de moi parce que je suis dans les réseaux sociaux. Ça, on ne peut pas empêcher. C'est ça que tu as dit. Mais ouais. On dit qu'un Ndolo ne doit pas insulter Flore.
Ouais. C'est qu'il faut pas mélanger. Mais j'ai dit quoi? Mais Tata Lolo, j'ai dit quoi? Est-ce que tu... Non. Tata Lolo, si tu as écouté. Si tu as écouté. Ouais, comment tu dis ça? La première vidéo, tu as de parler. Tu as dit que les amis viennent dire qu'on doit payer une fleur, pourquoi? Mais tu n'as pas écouté en quelle autorité? Non. Tata Lolo, s'il te plaît. Il faut bien écouter ce que j'ai dit. Ils écrivent partout, ne parlent plus de Flo. Ne parlent plus de Flo. Et c'est la vérité. Ils écrivent ça partout. Non. Mais quand ils ont dit ça en dolo par rapport, non, ils ont dit ça. Tata Lolo, s'il te plaît. Je vais descendre, dolo. Je ne suis pas venu. Non, je vais descendre. Pourquoi? Je vais descendre. Parce que on nous insulte et vous pensez que nous avons la pierre à la place du cœur. Je vais descendre. Non, je suis venu dire. Non. Tata Lolo, tu ne connais peut-être pas ce qui se passe. Peut-être c'est pourquoi tu viens me parler. Mais je ne vais pas me mettre à faire le débat là avec toi. Je suis venu juste dire que Flore. Et toi et autres, vous êtes des pionnières sur la toile. Tant qu'on ne vous manque pas de respect, on a le droit de parler de vous. C'est ce que j'ai dit, Tata Lolo. Mais c'est ce que j'ai dit, Tata Lolo. Je n'ai pas dit le contraire. Tu ne m'as pas écouté. Okay. J'ai dit, c'est ce que j'ai dit, que tant qu'on ne manque pas de respect, on ne manque pas de respect aux pionniers, on a le droit de parler. Plusieurs fois, j'ai dit au Ndolo. Restez sur la cible. Si vous avez quelqu'un qui vous a provoqué, restez sur la personne, mais n'allez pas prendre les à côté, vous mélanger, vous faites ceci, vous faites cela. Mais moi, je n'étais pas dans le même en plein direct, tu le dis. Je n'ai plus parler de Marc Larose. Pourquoi quand elle est en train de parler de Dolo, elle vient raconter comment c'est moi, je suis une cogneuse de tête, je cogne la tête de Blas du Timu, Catherine, je suis une Dolo. Pourquoi me mettre dans ça? Hein? Bon, avant de déclarer, pourquoi me mettre dans ça? Je suis là, je ne t'en sais pas. Et puis, elle vient me mettre dans ça. Et puis, les abeilles, que Tata Lolo, tu es en train de défendre, elles sont là-bas en train de mettre les commentaires. Si j'ai un problème avec une personne. Les abeilles, c'est nous, j'ai de le mouler, madame. Non, Tata Lolo, moi, elle voit les commentaires. Même dans le direct de Pasto, ils sont venus dans le direct de Pasto, ils nous ont prononcé, ils disent Sylvie Ténière et Marthe, les deux sorcières. Est-ce que tu peux imaginer ça? Est-ce que Ndolo sont des enfants que nous? Mais je te dis, Sylvie, mais Tata Lolo, les abeilles. Ils sont venus même dans le direct de Pasto hier. J'arrive, j'entre dans le direct. Pasto même, je ne savais pas qu'il était en direct. Je tombe dans le direct. Pasto, parce qu'on a tendance à dire, moi, Pasto est sur la toile plus que tout le monde. Il voit ce qui, il est partout, il connaît ce qui se passe sur la toile. Personne n'envoie un direct à Pasto. Les gens racontent toujours qu'on parle marché. Vous prenez un direct, vous commencez à parler de l'église. Elle dit l'église, si c'est des sorcières, de machin. Quand elle parle de l'église, Pasto va sortir. Parce que Pasto va la cajoler, Pasto va sortir sur elle. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas dit de la madre? On se moque de la maladie? On se moque d'une gare de la maladie? Hein? On se moque de la maladie, dit qu'elle va mourir. Elle va rester en vie. Elle va rester en vie. Moi, ce que je voulais dire aux amis, c'est quelqu'un de ceux qui ne concernent pas ma âme sœur. Il faut pas elle n'a qu'à l'encourager. Elle n'a qu'à l'encourager. Mais non, la rose de la rose, c'est la rose. Quel followers? On connaît les followers de la rose et on connaît, on connaît aussi les abeilles. Mais non, qu'à l'encourager. Ceux qui l'encouragent, l'encouragent. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Je n'ai pas besoin de tout ça. Qui continue? Je reviens encore. Mula, arrête ta manipulation. Parce que quand tu dis que la mort, personne ne va mourir, les autres vont mourir, les autres ne vont pas mourir. Quand tu insultes une dalle de gros tas de graisse, non, ça, c'est pour. C'est Ndale qui m'a insulté avant. C'est toi qui m'as insulté avant. Déjà, mais je ne connais même pas qui est en train de me parler. Moi, c'est Fabiola qui te parle. Je ne te connais pas, maman. Je ne te connais mais pas. Est-ce qu'on a besoin de dire que moi, on est sur Facebook, non? Mais ne viens pas dire que je suis Ndale. C'est Ndale qui m'a prononcé. Je ne l'ai pas Mila, prononcé. Vous insultez. S'il te plaît. Non, vous vous insultez. Et chacun a Il faut arrêter ça. Arrêtez vous ça. Vous insultez. Et elle répond que vous insultez. Oui, c'est pas le centre. C'est pas le centre. Mais voilà.
Les voilà, les voilà, les voilà. Mais nous sommes en voie de les voilà. Et quand tu parles elle. De la promotion, voilà. On a fait la promotion de notre soirée. Les voilà, les voilà. Là, voilà. Donc, il faut arrêter voilà ça. Ici. Les mais voilà ici. Mais est-ce qu'on se cache? Voilà. Voilà. Vous voilà. Vous insultez. Vous vous souhaitez la mort. Attends, 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 voilà. Ma chérie. Okay. Ma chérie, attends, attends, voilà. Attends, je vais dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez que les teams, non? Dans les teams, chacun a sa forme, sa favori. Il y a les gens, de, les abeilles qui soutiennent Dolo, il y a les abeilles qui soutiennent la, Marc Larose. Mais si vous tenez et Dolo Boulet, bon, quoi, à une voix, parce que si vous tenez et Dolo Boulet, c'est le soutien de Marc et de Tata Lolo aussi. Hein. Son c'est parce qu'il me soutient, la... Tata Lolo. Vous ne pouvez pas le soutenir. Donc, Larose est alliée aussi avec nous. Tu vois un peu. Donc, oui, maintenant, alors, Tata Lolo, on ne sait même pas comment la guerre entre même. Il y a Ndolo Moulema, il y a Black Gucci, il y a Rose, il y a Catherine Chou. On ne sait pas comment la guerre a commencé entre elles. Mais ça fait tellement rire parce que c'est Catherine Chou qui est l'arbitre. Elle crie tellement qu'on ne comprend rien de ce qui donc, donc, Fabiola, tu parles, tu ne connais pas comment l'affaire a commencé. Vraiment. Fabiola, tu connais pas comment ça a commencé. Fabiola, tu ne connais pas comment ça a commencé. Fabiola, tu viens parler de mes postes. J'ai dit, est-ce que tu connais comment ça a commencé? Tu parles de mes postes. Tu connais comment ça a commencé. Donc tu connais même le début. Donc, ça a commencé depuis Tata Lolo, non, ne dis pas que Moula Tambou classe. Je demande à Fabiola. Tu dis qu'elle ne sait pas. Non. Mes postes sont venus après. Il s'est passé quoi? Ça a commencé où? Lolo, cette histoire a commencé depuis la présidence. Hein? Où ça non, allait? Ça c'est le monsieur Soma. Non, non, non. C'est n'est pas depuis la présidence. Non, 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 Blabu, tu n'avais aucun problème avec la avec elle. Nous sommes partis, à la baie du grand frère Messi. Ah, nous sommes rentrés. Ah oui, voilà, et le oui. Lendemain, Nancy a placé sa caméra. Elle a dit comment Dolo Moulin, ma Catherine Chou et Blabu, on fait la touche pas. Et moi, je sors avec le passé supérieur. Donc vous, non, ça, vous moi, les choses. Oui, mais c'est la vérité que je suis en train de dire, c'est la vérité. C'est comme ça que... Au revoir. Ah, ben voilà, donc, mais Tata Lolo, c'est long, c'est depuis le début, donc c'est pas aujourd'hui. Mais c'est ça, alors, ça a commencé par là. Lolo, j'ai dit ce que j'avais à te dire. Non, mais comme je te dis, tu n'as pas besoin de toucher qui que ce soit. Ok, tu ne provoques pas la personne. Mm-hmm. C'est ce que je t'ai toujours dit. Oui. Que reste sur la personne qui t'attaque. Quand une personne t'attaque, tu attaques la personne. C'est ce que j'ai toujours dit. Mais comme mais moi, je donne des conseils, combien de fois Catherine Chou m'a envoyé mes boulets parce que je montais dans le direct pour lui dire non, calme-toi, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Mais les soutiens n'ont pas vu ça. Ils ont choisi de me marginaliser. Et j'accepte, je ne mange personne et personne ne mange chez moi. J'accepte cela. Je suis à l'église et je reste à l'église, ça ne change pas du tout. Je suis à l'église, mais je soutiens qui je veux. Personne ne va changer ma moralité ni ma façon de voir les choses. Méta est large. Chacun a sa place, personne ne paye la connexion de l'autre. Tant que mais chacun peut payer sa connexion, il se connecte. Tant que je peux payer ma connexion, je me connecte. C'est ça. Et que les gens restent fair-play, qui ne bloquent pas les comptes des gens. C'est tout. Que les gens ne bloquent pas les comptes, qui restent fair-play. Parce que quand vous finissez d'insulter, restez fair-play pour ne pas bloquer les autres.
C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Et que Ndolo, je t'ai dit de ne plus faire les directs. C'est pourquoi je suis montée ici pour te dire que tu n'as pas besoin de répondre à tout. Mm-hmm. Que tu n'avais pas besoin. Je te l'ai dit la dernière fois. Mm-hmm. C'est ce que je t'ai dit. Mais comme les gens ne voient pas, tant qu'ils ne voient pas parce que ça leur plaît, je ne veux pas l'approbation de qui que ce soit. Je t'ai dit, c'est à toi que j'ai donné le conseil. Et c'est le même conseil que je donne à Catherine Chou, je donne le même conseil à Blabuti. Mais vous êtes des grandes femmes, vous êtes des mères de famille, vous êtes des mères de famille, des femmes. Je ne peux pas entrer dans votre cœur pour savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Maintenant, le reste, tu sais ce que tu as à faire, Ndolo. Mm-hmm. Et j'ai dit ceci, tu dois chercher à combattre le côté impulsif. Et c'est mm-hmm. la même chose que je dis à Catherine, de combattre. Voilà, faites les efforts de combattre le côté impulsif. Parce que quand on est impulsif, dès qu'on entend quelque chose, on sort tout de suite, on vient, on parle. Et après, on regrette les mots qu'on a sortis de sa bouche. Parce qu'on aura franchi le Rubicon et on ne peut plus reculer. Donc, mm-hmm. il faut faire attention avec ce que tu fais. Et j'ai dit la dernière fois que. Tu as parmi les abeilles certains, tu as des sympathisants parmi les abeilles, tu as des sympathisants un peu partout dans toute cette team-là. Donc, pour ne pas écorcher l'image de qui que ce soit, il faut savoir comment tu fais tes directs. Quand tu veux parler de quelqu'un, parle de la personne. Je te l'ai dit l'autre fois. Mm-hmm. Tu m'as expliqué ce que Rêve t'a dit. Reste sur Rêve et tu lui dis, tu réponds à Rêve sans rentrer dans l'insulte. C'est tout ce que moi, non, j'avais à dire. Non, surtout pas. Je ne permettrai pas. Je voulais seulement dire que je n'ai pas apprécié la façon dont elle m'a parlé. D'accord. Si tu lui as parlé avec respect, c'est toujours ça. Oui. Il faut rester là. Si je voulais la clencher, pourquoi j'appelle elle? Non. Je tout simplement dit que je n'ai pas apprécié que comment les abeilles vont me reprocher dans le direct de Rêve comme quoi j'ai écouté Flo. Alors que Rêve a fait la même chose. Je pouvais penser le côté contradictoire. Oui, mais est-ce que vous avez apprécié? Tu n'as pas besoin de faire le direct pour ça. Moi, j'ai dit, maintenant, c'est les commentaires qui font. Elle a parlé à la fin. Mais quand elle me dit que je ne parle plus de ma faute, fais vos choses, mais attends, c'est fort quand même. Tu m'attends, mais fort. En tout cas, voilà, tu gagnes une minute de ton direct. Tu m'as suivi. Elle a parlé pendant 20 minutes. Et je lui ai dit que mes rêves, vas-y, sors, c'est que tu as le portable. Vas-y, sors. Donc, tu sors, je ne tue personne. C'est qu'un gosse a sorti, c'est pas petit, c'est que tu as ton téléphone. Est-ce que tu manques de l'espace à Rêve pour qu'elle sorte là? Tout ça, c'est des abeilles. Va voir les injures que les abeilles me faisaient. Où Rêve entrer dans le jeu? Rêve dit que les abeilles disent que non. Voilà ça que les abeilles. Moi, je parle à Rêve. Je parle de ma vie à Rêve. Elle ne parle pas des abeilles. Jusqu'à même. Mais là, c'est que tu sais ce qu'il y a ici là. Je les choses sur toi. Et vous savez que. Calme-toi, il faut gérer le côté là. Tant que tu sais que tu te reproches de rien, tu restes tranquille. La vie est tant que tu vois que machin, tu restes tranquille, tu te calmes.
Ne parle pas de toi, vous m'avez dit ma soeur et tout ce que vous voulez, c'est que vous voulez que vous 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 vous. Non. Pourquoi tu vas venir la clasher si elle, elle ne t'a pas clashé? C'est là où j'ai le problème avec vous. Vous ne devez pas clasher quelqu'un qui ne vous a pas prononcé. Tant que Flor ne t'a pas prononcé, tu n'as pas besoin, même si... Je dis, est-ce que tu me vois dans les postures? Je mets même le... Quand moi, je parle de quelqu'un, je parle de la personne. Je ne cherche pas les à côté. Je pas chercher... Si quelqu'un m'a parlé, moi, je parle de la personne. Je ne parle pas chercher. Il ne faut pas chercher les... Parce que quand tu vas aller chercher l'autre, même si on met son nom, fait, vu et ignoré. Mais j'ai dit, et je répète, elles sont des pionnières, on parlera d'elles. Tant qu'on reste dans le respect, voilà. On parlera des mêmes gosses. Voilà. Même gosses, même la veuve, mais qui est son genre là. Même elle, elle mérite le respect. Même elle, elle mérite, les deux, les femmes là aussi méritent le respect. Chacune, la vie des chacune, femmes, la toile, chacun mérite le respect. Toutes ces femmes-là méritent le respect parce que à un moment donné, même pendant le COVID, elles ont fait vivre le blog et elles ont fait vivre les gens pendant le COVID. De ce côté-là, oui, on peut reprocher des comportements qui ne tiennent pas de tout un chacun. Parce que nous tous, on a un comportement qui ne tient pas. On peut le reprocher, mais il faut rester dans le respect. Il faut rester dans le respect, Ndolo. De le rester dans le respect. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, je ne sais pas comment j'ai parlé. J'ai pas un bouclier. Moi, j'ai oublié. Mais moi, c'est juste encore le fait que moi, je parle. Elle lit les abeilles. Elle croit aux abeilles comme si c'était le state, quoi. Comme si elles ont raison que le manque. J'ai vu les menaces. J'ai dit, elles m'ont traité de sorcière dans le direct. Elles m'ont traité de sorcière, je passe tout hier. De sorcière. Et Sylvie Ténien n'était même pas dans le direct, mais on a prononcé son nom. Quand je lisais les commentaires, elle dit que vous êtes en train de traiter Sylvie Ténien. Non seulement vous êtes où? On est en train de dire qu'elle va mourir, on va la terrer comme Chomoula Tombou. C'est comme ça. Hein? Elles sont là-bas en train de le galvaniser. Les mêmes gens qui sont là, qui viennent elle me dire, mais arrête, la machin, elles sont là-bas. Moi, j'ai vu. Si je voulais, j'allais capturer tous les commentaires. Je mettais sur le mur pour vous lire. Que venez lire ce que vous faites. Venez lire ce que vous faites. Venez lire. Venez lire. Et mais j'ai décidé maintenant que quand je vois un mauvais commentaire me concernant et pas seulement il bloque la personne, je ne suis pas obligé d'être... ami avec la personne, je bloque. C'est comme ça que moi, je fonctionne maintenant. Parce que si je ne t'ai pas fait quelque chose, tu n'as pas le droit de m'insulter. Flora Tayou a passé son temps hier avec une autre, je ne sais pas comment elle s'appelle, m'insulter dans le direct de Pasto. Je suis même arrivée, Pasto était derrière en direct. Je ne sais pas ce qui a commencé au début. Je n'ai pas écouté le début, je l'ai écouté après le direct pour comprendre ce qui s'est passé. J'ai dit, hein? Donc, c'est comme ça que ça a été. C'est après que j'ai compris. J'ai dit que, mais, il s'est passé quoi pour que Pasteur sait. Quand on a remis les coupures, j'ai dit, ah, donc, elle a osé dire ça, souhaiter la mort. Elle passe son temps à souhaiter la mort, vous êtes dans le direct. Elle passe son temps à traiter les gens, vous êtes dans le direct en train de la galvaniser. Vous ne lui dites pas de se calmer. C'est pas parce que vous êtes, mais vous êtes, elle est un soutien, elle est votre soutien que vous devez l'encourager. Il y a des choses que vous ne pouvez pas encourager. Moi, je peux encourager quelqu'un à dire que l'autre va faire ceci, l'autre va faire cela. Mais Flora, tu viens Fabiola, tu viens me dire que moi j'ai dit ceci. Va écouter ce qu'elle a dit de moi avant. Je ne l'avais pas prononcé. En fait, il y a certaines personnes ici là, ils choisissent de nettoyer leur cerveau quand ça les arrange. Et quand ça ne les arrange pas, ils viennent dire ce qui ne les arrange pas. Hein? Il faut faire attention. Parce que le problème là n'a pas commencé dans les histoires de présidence. Ça n'a pas commencé là. Le problème là a été très loin. Ça a été très loin. Et même le pasteur supérieur a été sali là-dedans. Parce que je vois les gens venir dire, pasteur ne prend pas parti, pasteur ne prend pas parti. On a mêlé pasteur pour rien. Nous, on n'a pas fait nos choses, on ne prononce pas le nom du pasteur supérieur. Voilà. Mais on nous dit toujours, pasteur, pasteur, pasteur. Nous, quand on fait nos postes, on met pasteur là-dedans. Pasteur fait ses guerres ici là souvent. Parfois, je ne suis pas dans les... Je n'accompagne pas Pasteur dans ces guerres. On ne se mêle pas. Je ne me mêle pas dans les guerres de Pasteur. Quand il y a eu l'histoire de machin, des inbox avec le gars des États-Unis,
l'ex-perroquet de Pasto. Je ne me suis pas mêlée. Parce que la majorité, beaucoup de femmes qui étaient dans l'affaire là, m'insultaient pour rien. Je ne me suis pas mêlée. Et j'ai dit, Pasto, c'est ton combat. Et Pasto a fait le combat avec les gens qui l'insultaient, même lui-même. Mais il est allé les aider à combattre son ex-perroquet. Mais quand il a terminé, les mêmes personnes l'ont encore clashé. Et j'ai dit à Pasto, c'était ton combat. Moi, je ne peux pas me mêler et je ne peux pas te dire, ne mène pas ce combat. Parce que les femmes-là vont toujours aller dans les inbox. Elles iront toujours dans les inbox des garçons-là. J'ai dit ça à Pasto, que tu bagarres là, elles iront dans les inbox. Elles iront dans les inbox. Que moi, je n'ai pas besoin de soutien. Je n'ai même pas besoin de soutien. Mais celui qui m'insulte, je n'ai pas besoin de venir répondre à la personne. Je passe seulement, je bloque. Moi, je n'ai pas envie d'avoir mal à la tête à rester dans les insultes qui tiennent et qui ne tiennent pas. Quand je ne t'ai pas provoqué, tu ne me provoques pas. J'ai fait un post parce que Ndale m'a prononcé. Mais vous voyez que mon post, vous ne voyez pas ce que Ndale a fait. Et pourtant, vous êtes dans les directs, vous l'encouragez. C'est ça qui me tue même. Tout le monde dans les directs, vous l'encouragez. Ndale, c'est ça qui me victime même hors de moi. Elle m'a capturé mon direct, mon post. Elle n'a pas capturé mon poste, elle vient dire, vous voyez, non. C'est normal. Celle-là, je ne la calcule pas. Vous voyez ce que j'ai fait, non. Et pourtant, elle venait de m'insulter. Elle m'a insulté dans un direct. Elle a dit des choses sur moi dans un direct. Elle a dit des choses sur moi dans un direct. Et pourtant, je ne la gênais plus. Quand Ndolo est sorti ici, dernièrement, pour l'histoire de l'immeuble et autres, c'est moi qui suis montée pour dire à Ndolo, Ndolo, tu n'as pas besoin de répondre. Je suis montée dire à Ndolo que tu n'avais pas besoin de faire le direct. Ne gère pas, tant qu'on ne t'a pas prononcé, tu ne fais pas de direct. Moi, je suis montée dit Sandolo. Mais ça, elle n'hésite pas de mettre le nom des gens. Sylvie a juste fait le commentaire et elle a parlé de Lusa. Elle est sortie sur elle pour venir maintenant parler des histoires de la maladie. Pour ta gouverne, Sylvie Tenier n'a jamais porté de poche. Si tu sais ce qu'on appelle le cancer, et je ne vais pas te dire de quel cancer elle a souffert, pour que tu viennes parler de la mort, je ne te souhaite pas d'être malade. Parce que le jour que tu seras malade, toi-même tu vas comprendre tes mots, les mots que tu sors de ta bouche. Fais très attention. Fais très attention. Souhaiter la mort à quelqu'un. Tu ne sais pas ce qu'elle a subi. Tu ne sais pas ce qu'elle a subi. Voilà. Il faut faire attention. Même si vous voulez vous clasher, vous voulez clasher quelqu'un, il y a un degré. Il y a des limites. Mais si sur la toile, vous n'avez pas de limite. Si quelqu'un n'est pas allé avec toi jusqu'à un certain niveau, limite-toi aussi à un certain niveau. Pour toi, il faut aller dans la boue. Il faut aller dans la boue. Tu vas dans la boue, dans les entrailles, et tu sors ça. Mais c'est les autres qui font rien. Toi, tu ne fais pas. Je te dis bravo. La madre, courage à toi. En chemin. En tout cas, Ndolo, moi je vais te. C'est ça que je dis souvent. Voilà. Je vais rappeler aux gens que Catherine Chou n'a pas quitté la page de Ndolo. Catherine Chou a récupéré sa page. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Catherine Chou a récupéré sa page. Et vois les commentaires. Oh, tu as chassé. Pour toi, qu'est-ce que je n'ai pas compris en fait? S'exprimer, dire ce qu'on pense, ça veut dire qu'on n'a pas compris le message. Il y a un moment, il faut arrêter la manipulation. Quand le loi apparaît, le secret, et j'ai compris. Laissez-nous finir le direct et dire ce qu'on a dit. On va modifier ce que le conseil qu'elle a donné. Il y a un moment, il faut arrêter pour vous. Automatiquement, comme on a parlé là, il faut qu'on exécute. Oh! Ouais, calme-toi, non. Il faut te calmer. Pour te calmer. Calme-toi, Ndolo. Alors qu'on n'a même pas continué le direct. Jugez-moi après. Si elle continue à calmer, c'est le même défi. Ah, non. Calme-toi. Calme-toi, Ndolo. Pardon. Faut te calmer. Même le pasteur supérieur, son direct de ce matin, je crois il t'a appelé avec Catherine et Blab Beauty de vous calmer. Essayez de vous calmer. Donc, voilà. Il faut te calmer. Calme-toi. Bon. On se dit à plus tard. D'accord, maman.
Même Ndolo, même mon enfant peut manipuler Ndolo, moi manipuler, il n'y a pas de problème. Moi, vous voyez toujours comme votre moins cher. C'est ça qui est dommage dans Facebook. Hein. Moi, vous prenez toujours pour votre moins cher, pour votre jouet. Ou justement, comment même. Sans crier en J4, j'écris jusqu'à. Ça ne peut même pas que j'écris en J4. Ya! Yeah. Ça ne peut même pas que j'écris, ma. J'écris la première fois. On n'est pas habitué. Tu as fini de raconter tout ce que tu as entendu. Entendu où, Rosanne? Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Oui, il y a l'écho, oui. C'est parce que Mule était là qui avait l'écho. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Moi, j'ai tout simplement dit que je vais un peu chuter un peu en parlant de Ndale. Rose, tu sais pourquoi je ne te réponds pas, Rose? Je vais t'expliquer pourquoi je ne te réponds pas. J'ai toujours dit que tu n'es pas ma catégorie de personnes que je peux me poser et clasher, Rose. Parce que pour moi, pour dire vrai, tes clashs là, dis-moi ce que tu as dit de nouveau. La Rose, je te repose encore la question. Je ne veux pas t'appeler Croti Crota quand tu m'appelles Sola. Parce que tu ne respectes même pas ta personne. Tu ne respectes pas ta personne. Viens me dire pourquoi je dois venir te répondre en fait. Ah, Ndale, tu n'es pas à mon niveau. Tu n'es pas à mon niveau, Ndale. Tu n'es pas française. Tu n'as pas le permis français. Moi, j'ai les diplômes en France. Je suis une femme accomplie. Il y a les femmes accomplies sans enfants. Moi, je ne vois pas en fait. Tu as un titre de ce jour. Pourquoi tu veux que je vais me rabaisser à te répondre en fait? Même Alice, laisse que j'ai répondu, ce n'est pas grave. Tu veux que je vais m'asseoir, je mets comme tu dis, intitulé. Hé, hey, Sola, putain, na, machin, machin. Moi, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. M'asseoir, prendre comme j'ai pu le temps là, de venir m'asseoir pour te répondre. Ndale, tu n'es pas à mon niveau. Je t'assure. Laissons Facebook, laissons le petit mépris là. Tu ne me vaux pas, Ndale. Tu ne me vaux pas. Je te regarde les yeux dans les yeux. Tu ne me vaux pas. Investis en tant que femme. Ndale, mets-toi. Je me mets. On parle de nos patrimoines. On parle de nos études. On met deux hommes. On demande de choisir. Ndale, tu ne me peux pas, même intelligemment, même physiquement, avec tous les biens que j'ai. Je suis accompli. Et le moment que nous, on est en train de chacasser, on bavarde là, mes finitions sont en train d'être faites. Je donne de l'emploi au Cameroun. J'embauche les gens. Je les paye. Le moment que tu m'insultes là, de pute, de prostituée, je suis en train de donner de l'emploi aux gens au Cameroun, Ndale. Donc tu ne peux pas venir me manquer de respect. Parce que tu ne me vaux pas. Tu n'es pas de mon acabis. Tu n'es pas de ma catégorie. On parle d'immeuble, s'il te plaît. On parle d'immeuble. Je ne te parle pas d'une simple maison. Parce que la simple maison, je l'ai offerte à ma mère, à ma grand-mère. La simple maison, construite sur 300 mètres carrés, j'ai offerte à ma grand-mère. Ndale, à ma grand-mère. Et trois chambres à louer. Les trois chambres à louer au village. Il y a le plafond, il y a les carreaux. Ce n'est pas avec le ciment. J'ai dit, mais carreaux. Ndale, la maison de ma grand-mère. Mais il y a des carreaux. Ce n'est pas le simple ciment qu'on a mis, lissé le ciment. Les carreaux au village. Ndale, tu as dit qu'on a construit pour toi, non? Ma mère, si. Tu dis qu'on a construit pour toi, tu n'as plus besoin de construire. Moi aussi, j'ai plus besoin de construire. Ma mère a un complexe, Ndale. Ma mère a un complexe et ma mère touche
un million de francs CFA. Indale. Ma mère que j'adore, ma mère que je... Elle dit que c'est grippe. Touche un million de francs CFA par mois. Indale. Tu peux me dire pourquoi je dois venir gaspiller mon énergie pour te répondre. Tu me vaux à quel niveau, ma? Les sons que tu as fait des enfants. Tu ne connais pas ma vie. C'est que mon devenir. Laisse l'enfant. Parlons de nos vies. Maman, j'ai raté ma vie. Parlons de nos vies. Avec ma putainerie, tu as vu ce que je suis en train de faire. Tu peux le faire à ton vierge. Tu n'es même pas sûr que ta fille va te faire, ni que ta fille va te construire ce que je suis en train de faire ici-là. Ma mère est fière de moi jusqu'à. Malgré que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Ma mère est très fière de moi. Ma mère en complexe. L'immeuble. Ma mère a l'immeuble. Donc, ce qui fait que tous mes petits frères, on est quatre. Deux filles, deux garçons. On est deux filles, deux garçons. On est deux filles, deux garçons. Le patrimoine de ma mère, on l'a déjà largement. Je n'avais plus besoin de construire. Indale. Je n'avais plus besoin de construire Indale. Mais j'ai dit à ma mère que mes petits frères, ma petite soeur, ils vont profiter de ton héritage. Mais moi, je fonds de ma part. Et avant que ma grand-mère meure, elle a profité de la maison que je lui ai construite. Indale. Donc, quand tu veux me traiter de prostituée, tu en as fait en Italie, ça t'a apporté quoi? Comme tu as fait la prostitution en Italie, ça t'a apporté quoi? Rien du tout. Indale, je ne me réduis pas à vendre le savon. Tu es minable. Tu es une sous-femme. Tu es basse. Quand tu vois ton homme là, je peux le prendre. Rien qu'avec ce que j'ai. Mets un peu quel rang d'homme que je peux avoir. Mets-toi un peu quel rang d'homme je peux avoir. Si je dis à un homme qui a laissé ses couilles que j'ai deux immeubles, je consulte à ma grand-mère, j'ai fait ceci, je lui parle de mon patrimoine et j'ai encore deux terrains. Indale, j'ai donné le terrain à mon cousin de 300 mètres carrés, à mon cousin, et j'ai les preuves. Tu me mets, j'ai les preuves pour ça. J'ai les preuves. 300 mètres carrés, j'ai offert gratuitement à mon cousin. L'enfant de la grande soeur de ma mère, Indale, tu me peux à quel niveau? Tu me peux à quel niveau? Dis-moi un peu. Et j'ai encore d'autres terrains encore. J'ai encore d'autres terrains. D'accord, Indale, de grâce. Dis-moi à quel niveau je dois venir te répondre, Indale. Tu n'es pas française. Tu as un cycle de ce jour. Un cycle de ce jour. Indale. Tu n'as même pas le permis de conduire. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Indale. Pourquoi je dois me salir avec toi? Viens pas me dire, ma, pourquoi je dois me salir avec toi? Tu as vu ce que mon agent de prostitution a fait? Tu sais ce que j'ai fait à ma famille? Tu sais ce que j'ai fait à ma famille par rapport à la prostitution que tu viens t'asseoir pour croire que tu peux me rabaisser? C'est ça qui a conçu la maison à ma grand-mère. Oui. Indale. Donc, quand vous posez, vous parlez aux gens, on est mélangé sur Facebook. Oh, tu n'es pas la seule à avoir construite. Tu n'es pas... On est combien à faire des directs? On parle de ça. J'ai déjà manqué de respect à mes followers ici. J'ai toujours dit qu'il y a mes followers, peut-être qui ont conçu plus que moi. Je l'ai toujours dit ici. Qu'il y a parfois mes followers qui ont acheté des maisons ici en France, je le dis tous les jours. Je dis bien que les gens qui me suivent, pas ceux qui chutent. Les gens qui me suivent, j'ai toujours valorisé mes followers. Les gens qui me suivent ici.
parce que je ne les connais pas. Je ne sais pas qui est qui. Donc, je n'ai jamais manqué de respect à mes followers. Je les mets toujours en haut. Passi Makala, arrête de raconter les pépettes, s'il te plaît. L'homme qui t'accepte parce que tu es, c'est un gigolo. Arrête ça, Passi Makala, s'il te plaît. Mets un peu ton cerveau où tu penses, s'il te plaît. Si tu n'as pas le cerveau à réfléchir sur ton problème. D'accord? Arrête de mettre tous les hommes dans le même paquet. Comme quoi, l'homme qui vient te prendre avec tes immeubles, ça veut dire que c'est un gigolo. Il faut arrêter ça. Si toi, tu as l'habitude d'avoir des gigolos dans ta vie, ce n'est pas de ma faute. Ne compare pas tout le monde. Parce que j'ai un homme valeureux. J'ai un homme valable. Il se lève tous les matins pour travailler. Il n'a pas besoin d'attendre l'argent de la femme. Il n'a pas besoin. Je suis bien dans mon couple. Je suis bien dans mon mariage. Le coup de fil que vous entendez depuis là, c'est lui qui appelle. Vous me voulez quoi juste en fait? Vous croyez que je suis une personne qu'on ne peut pas recevoir quelque part? Vous connaissez les pays que j'ai fait depuis que je suis assise devant vous là? Je ne vous ai jamais raconté ma vie. Vous connaissez combien de pays et j'ai les photos de tous ces pays là. Je dis bien, j'ai les photos de tous les pays que j'ai faites. Je vous ai raconté ma vie? Non. De grâce. Insultez-moi avec ce que vous connaissez déjà. Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. Quand Ndala vient s'asseoir, j'ai insulté Maman Sylvie Ténière. Tu es tellement ridicule. Le pire, c'est que tu avais 300 personnes. Pour la bêtise. Pour la bêtise. Ndala, regarde tout le patrimoine que j'ai à 41 ans. Ndala. Regarde mon patrimoine que j'ai à 41 ans. Ndala. Regarde tout ce que j'ai à mon âge. Avec la pimenterie que tu t'assois pour m'insulter avec. C'était le matin, maman. La pimenterie que tu te permets de m'insulter, c'est ça qui a fait tout mon patrimoine, ma richesse que j'ai là. Rien qu'à mon âge. Imagine alors, je n'ai même pas encore vieilli et je n'ai même pas encore fini. Tu crois que tu peux te permettre de venir parler, bavarder dans le vide pour, avec qui? Bavarder dans le vide avec qui? Et tu es la première à venir t'asseoir. Les immeubles ont fait ceci. Les immeubles ont fait ceci. Les immeubles ont fait ceci. Tu es incapable de vendre tes saletés de savon que tu parlais là en fait. Tu es incapable. Et là, je t'appelle encore Ndale. Je ne t'appelle pas par tes petits, non. Parce que tu ne me fais pas peur. Je suis une femme. Parce qu'on est dans Facebook. Mais je suis une femme à respecter. Je suis une femme à respecter. Ma mère est posée au Cameroun. Elle a un complexe. Elle touche 1 million d'aller. Tu as dit la dernière fois que oui, je n'ai pas besoin de construire une Dolo Moulema. On a conçu pour moi. Ma mère aussi a conçu pour moi aussi, pour ta gouverne. Ma mère, elle a conçu pour tous ses enfants. D'accord? J'ai dit non. Maman, je conçu pour moi-même. Je suis une femme accomplie et comblée. Je ne suis pas la qualité qu'on va parler, c'est monté, c'est descendu. Ma pimenterie que tu veux insulter là, c'est ma pimenterie qui a fait ma richesse, qui a fait de moi ce que je suis. Qui a fait de moi ce que je suis. Il y en a qui ont fait comme ça là, ils n'ont rien fait de cet argent. Il y en a plein qui ont fait comme moi, mais ils n'ont rien fait de cet argent. D'accord, Ndale? Tu es en France depuis combien d'années? Tu n'as pas la nationalité française? Tu es en France depuis combien d'années? C'est ce qu'on appelle aller passer le permis de conduire? Dis-moi où. Je suis venu en France à 15 ans. J'ai mes diplômes. J'ai le PEP, j'ai le bac. Ndale, où tu peux me lancer au défi, maman? Je travaille. Tu as dit aux abeilles la dernière fois que je ne travaille pas. Que je manque, que je travaille. Pourtant, je manque ma carte professionnelle. Et il y a plein de quotas qui me voient dans les différents métros. Et je ne fais pas que le métro. Je ne fais que 2 heures. Et le reste, on est dedans. Tu me vois où? Ou en fait, Ndale. Tu vois que je suis,
Je ressens même une personne qui se rabaisse à faire ce que tu fais là. Ouais, la reine m'a faux. Don de grâce. Endale, rien que seulement pour Tata Lolo. Et tu sais pourquoi je ne t'ai pas répondu depuis? Parce que Cash Money, vous maintenant vous attaquez à Cash Money. Parce que Cash Money essaie de me défendre, vous l'empêchez de me défendre. Endale, je n'ai pas peur de toi. Comment tu vas, ma Cash Money? Cash Money, c'est même à cause de toi que je ne me suis pas mise immédiatement à clasher Endale. Parce que tu as dit que tu nous appréciais, nous deux. Endale, je vais tout simplement te dire que je ne suis pas à ton niveau, ma. Réponds aux gens qui sont à ton niveau, s'il te plaît. Réponds aux gens qui sont à ton niveau. On est tellement mélangé sur Facebook. On est mélangé sur Facebook. Mais de grâce, après Facebook, il y a une vie. Et ma vie, là, tu ne me vaux pas d'aller. Tu loues en France, je loue en France. Tu loues en France, je loue en France. Nous tous, on paye nos loyers. Il n'y a personne qui dépend de l'autre. Mais descendons au Cameroun. Ma, allons-y au Cameroun. Je vais te prouver. Et les tigres fonciers à l'appui. Entale. Les tigres fonciers à l'appui de tout ce que je t'avance. Je crois que j'ai d'ailleurs montré déjà le tigre foncier, rien que ce membre de mes deux immeubles. Donc, quand vous asseyez, tu veux essayer de dire pimentière, faux billets, faux machin. Oh, j'ai fait. On a vu. Ma, fait ta part de piment. On voit aussi. Sinon, ferme ta gueule et contente-toi de vendre ton saboulot. Vends ton saboulot. Parce que c'est ce que tu as mieux à faire. Maman, j'ai raté ma vie. Amen. Va faire le ménage. Va repasser. Moi, je travaille pour l'État. Endale. Je travaille pour l'État. Je travaille pour l'État. Ma, contente-toi de repasser les habits, nettoyer le sol, les cacas des femmes, des vieilles. Contente-toi de nettoyer ça. Je m'agresse à Ndale, je m'agresse pas aux gens qui font ce métier. Il faut qu'on se comprenne très bien. Je m'agresse à Ndale, je m'agresse, je me moque pas du métier. Je m'agresse à Ndale. Il faut qu'on se comprenne très bien. Alors ne venez pas là, on de le moulin, mais insultez le moulin. Je m'agresse à Ndale. Puisqu'elle m'a dit que j'ai fait la prostitution, non. Faut bien que je lui réponde. D'accord? Ok, maman, dès que je la vois, je réponds. Attends. Lolo, alors. Lorraine. Alors, attends, je la bloque. Si ma mère dit que bloque celle-là, c'est qu'elle a dit quelque chose qui n'est pas bon. Si ma mère dit de bloquer, la reine m'a faux. Attends. Attends, si je la vois. C'est pas grave, maman. Je veux la bloquer après. Dès qu'on va, je veux revenir dans les clous, je veux la bloquer. Cash money. Voilà. Voilà. Pourquoi tu effaces encore? Vois ma mère qui voit que tu me manques de respect, me demande de te bloquer. Je laisse pour cash. Don de grâce. Ma mère est toujours là, me dirait l'élu de Dieu. Ma mère est toujours là. Aïe, la reine. Ya, c'est toujours comme ça. Que vous êtes. voilà encore Véro. Voilà Véro alors. Ah, et Lolo. Tu n'étais pas se cacher, il n'y a même pas te croire. Ok, je laisse. Véro a parlé. Cache mon nez a parlé. Je vous laisse. La vie des stars. Comme je dis seulement là. Don de grâce. Comme je parlais là. Endale. Si tu veux, fais 10 directs sur moi. Si moi, encore Ndolo Moulema, Ndolo Moulema, l'amour, le cœur, enlève mon nom.
Si tu me vois encore venir m'asseoir pour te répondre, c'est que je ne connais pas ma valeur. Ndale, si je viens encore te répondre, c'est que je ne connais pas ma valeur. C'est que je ne connais pas qui je suis, en fait. C'est que je ne connais pas qui je suis. Parce que je suis tellement respectée dans ma famille, Ndale. Je suis tellement respectée dans ma famille. Hein? Sur la tête de mon père qui est mort. Je suis respectée par ma famille pour ce que j'ai bâti, pour ce que j'ai fait. Don de grâce, passe ton chemin. Je vais plus me rabaisser à ton niveau. Je t'ai toujours dit ça. Tu n'es pas ma catégorie de femme. Parce que quand il faut venir se lancer le défi. Ndale, tu ne peux pas avec moi. Ndale, si vous venez se lancer le défi, tu ne peux pas avec moi. Je t'assure. Crois-moi sur parole. Tu ne peux pas. Parce que je ne sais pas où tu vas commencer par où. Je ne sais pas où tu vas commencer. Moi, je travaille pour l'État. J'ai mes diplômes en France. J'en ai au Cameroun et en France. Je suis française. J'ai un permis français. Et je t'assure que quand je vais te montrer mes photos où j'ai déjà voyagé, les pays que j'ai faits, ma, lance-moi le défi où tu veux. Allons-y dans les défis. Allons-y dans les challenges. Je t'assure. Tu vas pas t'en sortir. Ne viens pas seulement t'asseoir, me crêter des putes, tu te répètes, pute, tu te répètes, pute, tu te répètes, pute, tu te répètes. I don't know, I don't care. Ma, on est fatigué de cette chanson. Montrons à nos followers ce qu'on veut. Montrons à nos followers ce qu'on veut. Je suis une femme impacteuse. Je suis une femme impacteuse. J'impacte. Même dans ma pimenterie, j'aime. D'accord? Et le moment que toi, tu es en train de chacasser, je donne de l'emploi au Cameroun. Les finitions sont en train d'être là. Je ne m'arrête pas, hein? Les finitions sont en train d'être là. En quel moment tu peux freiner ma vie? En quel moment tu peux freiner ma vie, Ndale? Ma maman est calée. Je suis calée. Mais que toute ma famille, même, franchement, ils ont de quoi vivre autant d'années. Autant d'années. Mon mari, alors, c'est pareil. Mon mari, il est dans la richesse. Rien que seulement à mon niveau. Je dis, mais à mon niveau, c'est pas petit. Il y a ceux qui ont 50, qui n'ont même pas un. Comme toi, là. Maman, j'ai raté ma vie comme toi, là. Si on demande de rencontrer Cameroun, ma, qui va être mieux? Si on demande de rencontrer Cameroun, d'aller. Parce que toi, ton cycle de ce jour, tu parlais renouveler. On te dit, on ne renouvelle plus. Tu deviens sans papier. En quel moment tu te mesures à moi? Une Française qui est venue étant petite. Ndale. Tu dis que depuis que je suis là de 15 ans, j'ai commencé à faire la putainerie à 15 ans. Oui, ma, j'ai commencé à faire la putainerie à 15 ans. Voilà. Tout ce patrimoine-là. Je n'ai pas fait les écoles. Tu vois comment tu manques sur moi en plus. Tu manques sur moi pour t'attirer. C'est quoi? La sympathie. Une personne qui n'impacte pas, tu te réduis. Une vieille femme comme toi, tu te réduis à venir vendre les savons. C'est avec ça que tu vas attirer l'homme. C'est avec ça que tu veux conquérir l'homme en vendant les savons sur Facebook. Venez me faire la recette. Venez me faire la recette. Ça ne souffre de 15 frais. Ça ne souffre de... Tu vends combien par mois? C'est ça, boulot. Et tu es même maligne. Hein? Tu es maligne. Tu vois comme on a dit que tu peux acheter tes choses à Action. Tu changes de cru. Tu as posé un autre cru. Continue. Je te prépare une bombe pour te... Rick Ndale. Je veux respecter tous les gens qui sont là. Je te prépare une bombe par rapport à ton commerce. Fais-moi confiance. Je te prépare une bombe. Je veux me calmer. Je veux plus te répondre. Mais ce que je vais faire pour ton commerce. Hein? Tu vas te poser la question si c'est moi, Ndolo Moulema. Et tu prépares quelque chose. Hein. Tu ne peux pas imaginer. Et comme on dit souvent, quand tu veux faire quelque chose, il ne faut pas en parler. Mais en même temps, c'est bien d'avertir. N'oublie jamais le jour ci là. Nous sommes les deux. Je vais te faire quelque chose. Ça que tu es préparé. Un truc que tu n'as même pas ta rencontre. Je vais commander tes savons là. Mais tu ne sauras pas d'où ça va venir. Et tu vas voir ce que je vais faire avec. Et d'aller.
Tu as dit que ça ne te fait rien, non. Mais tu verras ce jour-là. Fais-moi confiance. Je vais te montrer que je suis en France avant toi. Et que j'ai touché les francs français avant toi. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Je vais respecter les gens qui me parlent. Quand vous dites que je suis têtu, je ne comprends rien, j'ai promis d'incompréhension. Quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange, j'ai promis d'incompréhension. Laissez tout simplement les gens s'exprimer. Je finissais de m'exprimer sans manquer de respect aux gens. Je suis horreur comme manque de respect. Surtout, je dis toujours et je répète, ça refuse de te prendre un mal à la vie des stars. Excuse-moi vraiment, Kota. Je dis toujours que les gens que j'apprécie, quand ils me parlent un peu broumla, c'est là tout jette l'air. Tout jette l'air. Oh, tu as manque d'amour. Oh, tu as manque de ceci. J'ai ma mère qui me donne assez d'amour. J'ai mon mari. Je n'ai pas besoin de chercher l'amour sur Facebook. Je respecte tout simplement les gens qui m'apprécient de ma personne. C'est tout. Non, Alice Takam, mauvaise pub égale pub. Non, non, Mako. Alice Takam, j'ai fait le commerce. J'ai fait le marketing. Alice Takam, quand tu ouvres une boutique, ma mère, Alice Takam, je vais t'expliquer. Quand tu ouvres une boutique, ah, il y a des souris là-bas. Tu connais combien de clients tu vas perdre. Alice Takam, si tu as fait le commerce, ton nom c'est Jab Amleke. Tu dois comprendre ce que je t'explique là. Ne dites jamais qu'une mauvaise pub. N'entre pas dans ce jeu-là. N'entre pas dans ça. Alice Takam, Mako, n'entre pas dans ce jeu. En disant que ça ne va rien enlever. C'est ce qu'elle dit. C'est ce qu'elle dit. Il faut laisser. Mauvaise pub égale machin, il ne faut jamais dire ça. Moi, j'ai fait l'école de marketing. J'ai fait l'école de marketing. Non, il faut apparemment, mamie, il faut que je prenne l'avocat, apparemment, pour que ça aille plus vite. C'est ce qu'on m'a dit. Mamie Bafoussa, c'est ce qu'on m'a dit, qu'il faut que je prenne un avocat pour que ça aille plus vite. Donc, Ndale, si moi, Ndolo Moulema, je vais encore prendre ma caméra, parce que quand il t'a dit la dernière fois que tu es maman indigne, tu es maman indigne. Je l'ai dit. Et je ne sais pas. Tu as ton enfant au Cameroun qui est dans le grand banditisme. Ton fils est en prison, Ndale. Ton fils est en prison. Tu es maman indigne. Tu es descendu un jour nous montrer comment tu profites avec ton enfant au Cameroun, Ndale. Est-ce que tu nous montres comment tu profites de ton enfant au Cameroun? Ça fait combien d'années que tu n'es plus descendu au Cameroun, ma? Ça fait combien d'années que tu n'es plus descendu au Cameroun? Pourtant, tu as un fils, un bangando, un kio, un bandit de grand chemin. Mais encore sans enfant que d'avoir la carte d'enfant là. Et le pire, c'est qu'elle vient se vanter par de sa fille. Ma fille. Mais tu ne parles pas de ton bandit qui est au Cameroun là. Ton dépotoir qui est au Cameroun, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas de ton dépotoir. Mieux, je reste comme je suis là, sans enfant, que d'avoir ta part de fils qui est au Cameroun. Un bandit des bandits, un bandit des grands chemins, un braqueur. Tu viens t'asseoir. Si moi encore je te réponds comme je suis en train de faire là, enlève ma main, enlève mon doigt, même les pics, je ne le ferai plus. Même les pics, je ne le ferai plus. Descends au Cameroun, tu pars. Non, non. Bac pro commerce, tout seul. Bac pro commerce. Bac pro commerce. Non, pas service, non. Non, Noura. Bac pro commerce. Donc, je travaille dans la grande distribution. Voilà, quand tu ouvres ton entreprise, on te dit qu'il faut faire le merchandising. Voilà, essayer de guetter à côté. Bref, je ne vais pas commencer les cours là maintenant. Je vais chuter parce que je suis resté très longtemps. Merci Tata Lolo. Vraiment merci d'être passé dans mon direct et me donner des conseils. Je vais essayer de suivre ça. Comme je vous ai dit, maintenant je bosse. Maintenant, les directs, ce n'est plus trop mon truc. Parce que déjà dans mon couple aussi, ça dérange beaucoup mon mari. Donc, ce que tu dis là, tu as raison, il ne faut pas venir répondre non plus à tout le monde. Je ne réponds pas à tout le monde parce que je n'ai pas ce temps-là. Mais quand une personne va trop loin, je réponds. Et je sais qui répond parce que je ne réponds pas non plus à n'importe qui. Voilà. Donc, Ndale, oui, elle a très bien parlé. L'ange de bien. Si. L'ange du bien, pardon. Elle a bien parlé. Non. Ndale
Alice Takam, je m'agresse à un italien. Je lave bien son enfant. Hey! Dans les mots qu'elle donne, c'est le lema. Alice Takam. C'est que le dado qu'elle donne, c'est le lema. Hey! Donc, je demande, quand elle m'insulte, tu es où, Alice Takam? Ma, si tu es où, s'il te plaît. Quand elle m'insulte, tu es où? Ouais, laisse-moi avec mes gros yeux. C'est comment, non? Je vous laisse, les amis. Ok. Donc, je demande, vous finissez avec Cash Money là-bas, dans un direct là-bas. Vous venez encore finir avec Cash Money ici. Jusqu'à vous dire que Cash Money est hypocrite. Comment Cash Money est hypocrite? Pourquoi vous dites que Cash Money... Laissez Cash Money, hein? C'est mon Cash Money, hein? Moi, c'est bon, Nadine, c'est bon, elle finit avec elle aujourd'hui, là. Elle m'a choué, c'était comme ça, là. Non, je lui reprenais juste pour lui dire que je ne suis pas de sa catégorie, ma. Parce que quand elle te dit que... Endale, quand elle te dit que tu n'es pas de ma catégorie, parce que si on va dans les défis, tu ne me peux pas. D'où je parle de catégorie. Parce qu'il faut savoir placer. Quand vous placez vos mots, là, il faut les peser. Il faut les peser, les mots. Tu n'es pas de ma catégorie. D'accord? Je ne suis pas barba. Idiot! 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 Si moi m'étais dit idiot, tu vas indaler. Non, ma putana, idiot! Une putana, idiot! Voilà. On t'a baisé, vraiment, hein, ton mari là, vraiment, hein, jusqu'on écoutait comment ton mari faisait comme ça, tu racontais à ton mari, regardez comment c'est ceci. Alors que ton fils au Cameroun, en train d'agresser les gens, en train de tuer, qui l'aime les gens au Cameroun. Tu viens t'asseoir pour parler de la vie de Ndolo. Jusqu'à même, elle gonfle. Tu vas étouffer un jour. Tu vas étouffer un jour en plein direct. Continue à gonfler. Même le tape qu'elle va exploser un jour comme ça devant les gens. Jusqu'à ce que tu te sens. Tu viens parler de Ndolo Moulema. Tu me veux? Tu me veux? Je suis laissé. Pardon. Gossa a voulu me lécher là-bas. J'ai dit que non. Si tu vas me lécher, tu me dis, Emma. Voilà. Et tu es devenu lélé. Tu me dis, hein? D'accord? Néanmoins, des petites personnes pareilles. Des petites personnes, des petits personnages. Non, Noura. C'est le nom qu'ils m'ont donné, non, ma. Noura, c'est ce qu'ils m'ont donné, non. Moi, j'ai accepté seulement. Ils disent BTS. Moi, j'ai accepté. Ils m'insultent. Ils sont en train de tous m'insulter que BTS, BTS. Moi aussi, j'ai pris Noura. Je ne sais pas où ils m'ont vu avec le BTS. Après, moi, je ne sais pas. Moi, ils m'ont pris. BTS international, commerce international. J'ai fait BTS, commerce international. J'ai même pas fini l'année, Noura. J'ai même pas fini l'année, mais ils m'ont donné le nom que Maha BTS. Donc, Noura, moi aussi, je prends aussi. Et moi, je suis partout comme Maha BTS. Moi aussi, je prends. Donc, voilà. Donc, Olivier Tété. Oh, moi, je suis en train de couper, Maha. Je suis en train de couper. Bon, je vous laisse. Bisous là-bas. D'accord, ma Rosane. Ok. Ok, Rosa, je coupe. Bisous là-bas, là. Prenez soin de vous. Et là, je vous promets, je vais essayer de rester dans mon coin. Je ferai des efforts rien que pour vous. Comme je vous ai toujours dit, je vous écoute. Mais vous-même, vous connaissez. Quand ça bam là, hein, moi, ça va, non. Vous-même, vous connaissez. Ciao. Bisous là-bas.